peut commencer ? Alors, je voudrais tout d'abord adresser mes vœux et mes remerciements les plus vifs à Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc de nous accueillir avec tellement de chaleur, tellement de bonté, d'âme, de générosité, avec tellement de convivialité également, que nous ne pouvons qu'être touchés par cet accueil dans cette académie si prestigieuse, Académie de connaissances et des arts. Je tiens à remercier également le comité d'organisation du colloque, à savoir M. Afaya, qui nous a suivis pendant toute l'organisation de ce colloque, qui nous a suivis au sens noble du terme, c'est-à-dire en partageant avec nous toutes les étapes de ce colloque et en étant très présent parmi nous et en étant soucieux de mener à bien l'organisation du colloque qui finit par aboutir là où nous sommes aujourd'hui. Je voudrais également et surtout parler de Leïla Belhaj, professeur Leïla Belhaj, qui a été la cheville ouvrière de ce colloque et qui, elle aussi, a suivi, mais également dans le sens très positif du terme, tout le travail depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, à savoir nous envoyant des mails, nous informant de tout ce qui se passait, nous donnant des informations sur les invités, sur les abstracts, sur les résumés, nous effectuant un travail de fourmi et en même temps un travail héroïque, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse, beaucoup de précision. Merci, Leïla. Bien sûr, il y avait avec nous Monsieur le professeur Pierre Brunel et Monsieur Rémi Labrusse, qui tous deux nous ont également beaucoup apporté par leur connexion, leur connaissance, leur éclairage sur Matisse, et en nous donnant des orientations, en travaillant sur les séances elles-mêmes, sur les thématiques, et parfois en dehors des rencontres officielles pour travailler sur le colloque, nous ne déjeunions pas, et en fait les nourritures terrestres étaient peu importantes pour nous par rapport aux nourritures intellectuelles. Et monsieur le professeur Labrusse, qui venait de Paris, ainsi que monsieur le professeur Brunel, nous ont énormément apporté. Donc merci pour vos déplacements, merci pour votre présence parmi nous et merci de nous avoir ainsi accompagnés. Alors, je voudrais... et merci à nous, hein. Voilà. Je voudrais également dire juste un petit mot pour les deux interventions de ce matin, c'est-à-dire deux interventions qui ont été des lumières de connaissance, celle de Monsieur le secrétaire perpétuel et celle de Monsieur Lénart. Lumières intellectuelles qui ont dû, je pense, faire pâlir les lumières de cette coupole, par tant elles étaient éclairantes, tant elles étaient lumineuses et tant elles nous ont apporté. Et je pense que ces lumières font écho également à la recherche de la lumière et à la quête de la lumière à laquelle Matisse était tellement sensible. Et donc il suffisait, entre Tanger et Rabat, de quelques kilomètres pour retrouver à la fois la lumière naturelle et la lumière intellectuelle. Et je pense qu'entre ces deux lumières, des échos, des correspondances qui ont dû rendre Matisse heureux et qui ont fait de nous des êtres du bonheur. Merci à monsieur le professeur Lénart et merci à monsieur le secrétaire perpétuel. Alors, je passe maintenant à quelque chose de plus sérieux et nous entamons là la première séance avec le professeur Brunel. Est-ce que nous vous présentons encore, professeur Brunel ? Comment ? Est-ce que nous avons à vous présenter bien encore ? Bien sûr. Bon, alors je commence.
Professeur émérite de littérature générale et comparée à l'Université de Paris-Sorbonne, fondateur du Collège de littérature comparée dont il devient le président, en juillet 1995, il est élu membre de l'Institut universitaire de France à la chaire de littérature comparée, docteur honoris causa de l'Université de Bâle, de Turin et de Thessalonique, auteur de nombreux ouvrages comme Mythocritique, la littérature comparée, Arthur Rimbaud, bien sûr, Une saison en enfer et tant d'autres, Baudelaire et Le puits des images, Fleurir et défleurir, Baudelaire antique et moderne. Spécialiste de Claudel, Verlaine, Rimbaud et Baudelaire, professeur Brunel va nous entretenir du Maroc de Matisse, Maroc de Pierre Loti à Matisse. Et vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Ça marche? Non? Ah, ça a marché pour moi. J'éteins ici. Là, vous m'entendez? J'ai eu la chance de bénéficier, pendant la longue et difficile période du confinement, de l'emprunt que j'avais fait par hasard au début du mois de mars 2020, d'un volume magnifique intitulé « Le Maroc de Matisse », publié en 1999 par l'Institut du monde arabe à Paris et les éditions Gallimard. C'est le fruit de l'exposition présentée à l'Institut du monde arabe le 19 octobre 1999 jusqu'au 30 janvier 2000. Cette exposition, dans le cadre du temps du Maroc en France, était placée sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, et de M. Jacques Chirac, président de la République française. J'ai eu l'honneur et la chance de les connaître l'un et l'autre, et mon émotion en est d'autant plus grande. Ce volume magnifique, dédié à la mémoire de Marie Matisse, fille du peintre, était préfacé par Camille Cabana, alors président de l'Institut du monde arabe. Il présentait l'exposition consacrée au Maroc de Matisse comme, je cite, « le point d'orgue du temps du Maroc » et il rendait hommage à la mémoire de Sa Majesté le roi Hassan II, disparu en juillet 1999, qui avait soutenu le projet dès l'origine, et à son fils Mohamed VI, son continuateur. Immédiatement après, dans cette préface, Camille Cabana opérait le rapprochement entre Delacroix et Matisse, qui justifie pleinement la continuité, aujourd'hui, du colloque de 2019 suivi de l'exposition Delacroix au Maroc et du nouveau projet Matisse au Maroc. Monsieur Cabana citait cette confidence de Matisse au critique d'art Gaston Dil après son retour du Maroc. Je cite « La révélation m'est venue de l'Orient, quelque 80 ans après qu'Eugène Delacroix eut lui aussi succombé au charme du pays. » Vous voyez comment on passe aisément de Delacroix à Matisse de 1832 à 1912, 80 ans en effet. Et M. Cabana ajoutait, je cite, « La lumière, les hommes, les costumes, l'architecture que découvre Matisse constitue pour lui la matière d'un émerveillement qui transcendra toute son œuvre postérieure. En témoignent les toiles et les dessins réalisés au Maroc, et aussi les nombreux travaux ultérieurs du peintre engagés dès lors sur la voie d'une quête véritable. Révélation exemplaire, je cite toujours M. Cabana, de cette constante et réciproque fascination qu'exercera le Maroc sur la France et les Français, et la France sur le Maroc et les Marocains. La question de la croix Matisse au Maroc est complexe. Dans l'avant-propos pour ce même volume, donc le Maroc de Matisse, avant-propos intitulé « Éblouissement » au pluriel, Tahar Benjelloun a tenu à marquer la différence. Je le cite. « Eugène Delacroix
cherchait au Maroc des situations, des visages, des corps en mouvement. Il a passé son temps à prendre des notes, à faire des esquisses. Il peindra plus tard quand il sera de retour en France. Son Maroc n'est pas vraiment dans les toiles, il est dans ses cahiers et aussi dans sa tête, au bout de ses doigts. C'est un Maroc furtif, jugé étrange et quelque peu sauvage. Matisse n'a certainement pas voulu suivre les pas de Delacroix, il s'en défendait même. Le Maroc de Delacroix ne sera pas celui de Matisse, car ce dernier ne s'intéressait qu'à la lumière de ce pays, même s'il avait dû attendre du 30 janvier 1912 jusqu'au début de février, cloîtré dans sa chambre de l'hôtel Villa de France à Tanger, l'apparition du soleil. Dans le texte qui suit, toujours dans ce même volume, et qui est cette fois l'introduction, M. Brahim Alaoui, qui était le commissaire de l'exposition et qui est présent parmi nous, hein, il interviendra dans la quatrième séance, considère qu'en allant au Maroc, Matisse a marché bien entendu sur les traces d'un autre peintre, Delacroix, dont l'œuvre a été marquée pour toujours par l'expérience marocaine de 1832. Et il rappelle, je le cite, « quel a été l'étonnement de Matisse quand il débarque à Tanger. J'ai trouvé, dit-il, les paysages du Maroc exactement tels qu'ils sont décrits dans les tableaux de Delacroix. » Brahim Alaoui n'en marque pas moins la différence, je le cite encore, « mais Matisse, on le sait, n'est pas allé chercher au Maroc les tableaux tout faits qu'avait vus Delacroix avant lui, bien au contraire, en cet hiver 1910, Matisse cherche surtout à s'éloigner de l'effervescence parisienne, à trouver un endroit propice à une méditation nourrie de ses précédents séjours en Algérie, à Biskra en 1906, et en Andalousie, fin 1911, début 2012, et de ses visites aux expositions d'art islamique de Paris et de Munich, ou d'art byzantin à Moscou. Ce dialogue avec l'Orient, déjà amorcé dans l'œuvre et la réflexion du peintre, va prendre toute sa mesure au Maroc et sera désormais présent dans le reste de son œuvre. Dans la notice concernant le triptyque marocain de 1912-1913, qui réunit paysages vus de la fenêtre sur la terrasse et la porte de la Casbah, comme l'avait souhaité Matisse lui-même, Evgenia Georgievska, toujours dans le même volume que j'utilise, a rappelé ses précédents et ce qu'a écrit lui-même Henri Matisse dans un texte recueilli dans ses écrits et propos sur l'art, recueil réuni et dirigé par Dominique Fourcade. Je cite, et j'en viens enfin à un nom que mon titre laissait attendre, « Les voyages au Maroc, a dit Matisse, m'aidèrent à reprendre contact avec la nature mieux que ne le permettait l'application d'une théorie vivante, mais quelque peu limitée comme le fauvisme. J'ai trouvé les paysages du Maroc, exactement tels qu'ils sont décrits dans les tableaux de Delacroix et les romans de Pierre Loti. » Cette confidence m'a été très précieuse, car elle me permettait de passer du précédent colloque sur Delacroix au Maroc, auquel j'avais eu la chance de participer, à celui d'aujourd'hui sur Matisse au Maroc, mais aussi d'une manière plus inattendue, de Pierre Loti à Henri Matisse, en invoquant et en évoquant non pas ses romans, c'est le mot utilisé ici par Matisse, mais son précieux journal, qui est bien une sorte de roman lui-même. C'est donc bien Matisse lui-même qui nous invite à faire ce rapprochement entre Pierre Loti et lui. Matisse pouvait être attiré vers le Maroc par les couleurs qu'a évoqué Loti dans l'un de ses livres, ce journal, et je vais prendre ici comme exemple ce livre pour moi essentiel. Ce livre a paru en 1889, l'année même du voyage de Loti au Maroc. Je l'ai utilisé dans l'édition des œuvres complètes de Loti, le tome 5. Quand il est arrivé au Maroc, Loti était arrivé, comme Matisse lui-même, à Tanger.
Il y était arrivé en mars 1889 et par la suite il est allé, contrairement à Matisse, en direction de Fès et de Meknès, donc un voyage beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, beaucoup plus agité. Le lundi 8 avril, ses compagnons et lui sont parvenus à pénétrer dans Xar el-Kébir, malgré la pluie qui avait transformé le chemin qui mène à la ville en cloaque de boue. Pour entrer par une série de portes ogivales dans la ville, écrit Loti, il a fallu patauger dans les flaques de boue gluantes que les pieds des chevaux font jaillir en germe contre les murailles. Et si les gens étaient encapuchonnés de blanc, c'était un blanc grisâtre. D'ailleurs, comme le rappelle Loti, cette ville de Xar el-Kébir n'est pas blanche, contrairement à Tanger, qui est pour lui, c'est l'expression qu'il emploie le plus souvent, Tanger la blanche, car Xar el-Kébir serait non pas de construction arabe, mais de construction portugaise, et la chaux blanche elle-même n'a pu prendre sur ses murs étrangers sans enduit. Alors, écrit Loti, on leur a laissé leur teinte quelconque. En sortant de la ville, le lendemain 9 avril 1889, de l'autre côté, sous un ciel noir, avant d'aborder la rivière que lui et ses compagnons redoutaient de trouver infranchissable, ils ont eu la chance de découvrir des jardins merveilleux dont les couleurs ne pouvaient que frapper Matisse, lecteur du livre. Je cite, « Des grands cactus arborescents au feuillage bleu et des géraniums rouges, en passant par le vert admirablement printanier, le vert tout neuf d'avril des grenadiers, des figuiers et des oliviers, jusqu'aux hautes bourraches bleues fleuries à profusion et aux acanthes au feuillage marbré de blanc. » Vous le voyez, Loti, écrivain, est un peintre à sa manière, et ce n'est pas un hasard si la citation que je viens de faire s'achève sur le blanc. C'est pour lui la couleur fondamentale de Tanger, c'est même pour lui la couleur fondamentale du Maroc. J'avais ce sujet en tête et je l'avais communiqué aux organisateurs du présent colloque quand une heureuse surprise m'attendait le 7 août dernier. Un cadeau de vacances, en quelque sorte. J'ai reçu ce jour-là une carte postale d'un ami qui habite la Belgique. Se trouvait reproduit sur cette carte postale un tableau d'Henri Matisse qui est conservé dans une collection particulière. Titre du tableau, Portrait à la robe blanche. Il représente une jeune femme assise dans un fauteuil et le blanc est plutôt bleuté, comme son bleu derrière elle, un vase, et plus loin encore, le ciel. Il se trouve que, quelques semaines auparavant, j'avais placé sous le signe du blanc, d'un blanc majeur, la communication que j'avais présentée lors du colloque organisé par mon collègue, Henri Sépi, colloque consacré à Pierre Loti pour le centenaire de sa mort, colloque qui s'est déroulé à Paris les 11, 12 et 13 mai derniers et qui a été inauguré à l'Institut de France par la regrettée Hélène Carrère-Dancausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, décédée, comme vous le savez sans doute, alors que rien ne le laissait prévoir, le 5 août dernier. Déjà, j'avais dans cette communication évoqué le lien qu'il convient selon moi d'établir entre le séjour de Loti et celui de Matisse au Maroc, la place importante et même capitale qui occupe Tanger, et dès l'arrivée à Tanger, ce blanc majeur qui a frappé l'écrivain Loti en 1889 et le peintre Matisse en 1912-1913. D'où le titre que j'ai choisi pour ma communication, qui peut paraître surprenant. Je remercie le comité d'organisation du présent colloque qui a bien voulu l'accepter lors de notre dernière réunion à l'Académie du Royaume du Maroc, sous la présidence de son secrétaire perpétuel, M. Abdeljalil Lajomri, le samedi 8 juillet dernier. M. Lajomri
avait fait très largement place à Pierre Loti, non sans quelques réserves, dans son précieux livre « L'image du Maroc dans la littérature française, de Loti à Monterland », livre heureusement récemment réédité. On peut s'étonner, puisqu'il était lecteur de Loti, et en particulier de ce journal de Loti, que Matisse n'ait pas été méfiant en ce qui concerne la pluie, car elle est présente et avec insistance, vous en êtes déjà rendu compte, dans le séjour de Loti au Maroc, dans son livre, et aussi, bien sûr, nous le savons, dans le premier séjour de Matisse. Il est vrai que ce n'est pas à Tanger que la pluie avait éprouvé Loti. Au contraire, le jour de son arrivée en bateau, le 26 mars 1889, il avait, je cite, « mis pied à terre sur le quai de Tanger au beau soleil de midi ». Le soir de ce même jour, c'est au coucher du soleil qu'il avait fait sa première visite au campement de route où il devait être logé, là-bas, en dehors des murs, sur une hauteur assez solitaire dominant Tanger. Le ciel du couchant, ce soir-là, écrit-il, était d'une limpidité profonde, dans des jaunes pâles extrêmement froids. Et ici, quand le ciel s'étoile partout, la nuit, il est, écrit-il, d'une limpidité profonde. Le 4 avril, jour de son départ pour Fès, le soleil était plus éclatant que jamais, quand il a pris la route avec ses compagnons, se retournant, je cite, une dernière fois pour dire adieu à Tanger la Blanche, dont les terrasses dévalent au loin vers la mer. Tanger la Blanche, donc, une expression qui revient souvent sous sa plume. Mais dans la suite de l'aventure de Loti au Maroc, la pluie est plus que présente, comme elle l'a été au début du premier séjour de Matisse à Tanger en 1912. Le 9 avril 1889, je cite Loti, « grande pluie et grand vent toute la nuit, réveil sous un ciel noir, plus rien de sec sous nos tentes. » Le 12 avril, il dit qu'il se serait cru plutôt en Normandie quand la pluie s'est mise à tomber fine et froide, et c'était même une pluie torrentielle. Ou encore un peu plus loin, sur cet interminable chemin de Fès, c'est la pluie, la pluie, la pluie. Et dans la nuit du 12 au 13 avril, à l'approche de la ville, je cite, « il y a un déluge toute la nuit, à tel point que le vent a arraché à moitié les tentes des voyageurs, qu'ils sortent de lits tout humides pour reprendre des vêtements mouillés, des bottes pleines d'eau, et se remettent en route sous un ciel uniformément voilé d'un crêpe gris. » Même à l'arrivée à Fès, le 15 avril, il y avait encore, je cite, « un déluge menaçant qui ne se décide pas à tomber, mais laisse la voûte noire. » Et cette pluie semblait ne jamais devoir cesser par la suite. Le premier voyage de Matisse a commencé en plein hiver et, comme l'a écrit Claudine Gramont dans l'entrée Maroc du dictionnaire Tout Matisse qu'elle a dirigé pour la collection Bouquin, les Matisse arrivent le 30 janvier 1912, je crois d'ailleurs que c'est plutôt le 29, et prennent une chambre à l'hôtel Villa de France, c'est bien connu. Il pleut tout le mois de février, au grand désespoir de l'artiste, qui ne peint dans cette chambre que deux natures mortes, vase d'iris, conservé aujourd'hui musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, la corbeille d'orange, conservée au musée Picasso à Paris. Le mois de mars 1912 a peut-être été un peu plus clément quand même que ce qu'avait été la suite du voyage de Loti, et comme l'écrit encore Claudine Gramont dans l'ouvrage cité, pendant le mois de mars, il a pu peindre dans le jardin Brooks les acanthes, les pervenches et la palme. Le jardin, en effet, a toujours été pour Matisse un lieu d'aspiration essentiel. Entre le jardin du Luxembourg, qui date de 1902, et le jardin d'Issy-les-Moulineaux, plus tard, en 1917, le jardin marocain de 1912 et celui de la villa où Jack Brooks a accueilli Matisse après les jours de claustration dans l'hôtel Villa de France. Les paysages peints dans le jardin de la villa Brooks
font place à la végétation exubérante qui a frappé Matisse et à laquelle il a pris goût. Cette exubérance végétale est sensible et même dominante dans les trois principaux tableaux qu'il y a peints et dont je viens de citer les titres, les pervenches, la palme, les acanthes. Il n'y a pas lieu de rechercher avec obstination le blanc dans ces tableaux. Mais est tout à fait remarquable ce que Clotilde Gramont a appelé, je la cite, « la qualité si particulière de la lumière dans le traitement très fluide et par transparence de la couleur qui caractérise ces tableaux ». Elle a consacré une longue notice aux acanthes dans l'entrée qui porte ce titre dans son dictionnaire. Le motif est présent, en effet, du tableau peint à Tanger en mars 1912 à la tardive gouache découpée de 1953, où, peu de temps avant sa mort, Matisse s'est attaché à un motif qu'il avait auparavant traité dans l'ensemble plus vaste d'un paysage. Ce tableau de 1912, les acanthes, aurait occupé Matisse pendant plus d'un mois et demi. Et je cite encore Claudine Gramont, « Après des semaines de pluie ininterrompues depuis son arrivée au Maroc en février, Matisse est ébloui par la luxuriance de la végétation marocaine, en particulier dans la propriété de Jack Brooks dont il a obtenu l'accès. C'est cette exaltation, son éblouissement au contact de cette féerie végétale qu'il tente de restituer dans les trois peintures du jardin de la ville de la Brooks. Celle des acanthes représente un coin du parc planté de très grands arbres, épanouissant très haut leur feuillage, avec le sol couvert d'acanthes. » Matisse aurait passé plus d'un mois et demi à travailler à ce tableau. Et comme il l'a précisé dans une lettre adressée après son départ à son épouse Amélie le 3 mars 1912, lettre citée par Rémy Labruce dans son étude de 1999 sur ce qu'il a appelé l'épreuve de Tanger, il a compris qu'il devait supprimer, je cite, « deux taches de couleur sur l'arbre, le pin, car elles arrêtent l'élan des lignes, elles tuent l'arbre vert clair, presque fond, presque jaune, du fond. » Il semble même qu'il n'ait pas complètement achevé ce tableau, les acanthes à Tanger, mais qu'il l'ait rapporté à Paris en avril 1912 pour continuer à y travailler. On a sur ce point le témoignage de Marcel Samba, qui, à la fois comme journaliste et comme collectionneur, lui avait très tôt apporté son soutien. Il semble même que Matisse ait rapporté cette toile au Maroc quand il est revenu à Tanger en octobre 1912, sans pour autant la reprendre avant de la vendre à la galerie Bernheim Jeune en décembre 1913. Le projet, en tout cas, ne cessera de lui tenir à cœur puisque, je l'ai signalé tout à l'heure, en 1953, il y travaillait encore. On peut supposer qu'après le mois de mars 1912, le temps soit devenu un peu plus clément à Tanger. Mais il est frappant de constater que jusqu'à son départ le mois suivant, son départ pour la France, Matisse s'attacha encore et surtout à des peintures d'intérieur et d'intérieur de cet hôtel Villa de France. C'est bien, pour reprendre l'expression de Loti, Tanger la Blanche, qui est sous nos yeux avec le tableau vue sur la baie de Tanger, qui a pu être considérée, je cite Rémy Labruce, comme le premier paysage peint par Matisse au Maroc. Mais nul blanc pur pour autant dans cette vue d'ensemble sous un ciel lourd, ce ciel troublé qui a suivi la tempête de son départ et le point d'arrivée. Ce blanc, c'est celui des bâtiments peints à la chaux destinés à la religion islamique, point sur lequel insistait Loti dans son livre au Maroc. Mais Rémy Labruce, présentant un autre tableau peint à Tanger par Matisse au printemps 1912, le Marabout, a pris soin d'indiquer que dans ce tableau, je cite, « la plus petite toile peinte par Matisse au Maroc, le blanc éblouissant des murs de chaux sous la lumière est transposé en une architecture de couleurs à la fois éclatante et singulièrement délicate, qui inaugure certains accords caractéristiques des toiles marocaines, les harmonies du mauve, du bleu et du vert notamment. » Vous le voyez donc, pas le blanc obstiné de Pierre Loti,
mais un blanc, même quand il est éblouissant, qui éclate grâce au pinceau du peintre en de multiples couleurs. Il faut tenir compte des deux tableaux que Matisse a peints de la fenêtre de la chambre de l'hôtel Villa de France à Tanger. L'un fait aujourd'hui partie du musée Pouchkine à Moscou et l'autre, qui appartenait à une collection particulière au Mexique, est depuis 1986 conservé au musée de Washington, si du moins ces indices sont toujours valables. Il faut bien comprendre que c'est un motif qui lui était cher et qui le restera. Dans la notice qu'elle lui a consacrée dans une longue entrée de son tout Matisse, Claudine Gramont considère la fenêtre comme, je cite, le thème fondateur de l'iconographie matissienne à partir duquel l'artiste a mené une réflexion sur la notion de tableau à laquelle la fenêtre est métaphoriquement associée depuis la Renaissance. Dans les deux tableaux peints dans l'hôtel de Tanger et de la fenêtre de la chambre se trouve associé, comme l'indique Claudine Gramont, paysage et nature morte, Matisse reprenant le dispositif classique de la niche peintre donné ici par le rebord de la fenêtre sur lequel sont disposés les bouquets. Effet de niche qui est encore une façon d'intégrer l'espace réel comme ces figures de la Renaissance placées dans une niche ou un redoublement d'encadrement et dont le bras déborde en dehors. Le tableau « Paysage vu de la fenêtre » date du printemps 1912 et se trouve aujourd'hui au musée des Beaux-Arts Pouchkine à Moscou. Il avait été acheté en avril 1913 par Ivan Morozov. De tous les tableaux peints par Matisse à Tanger, c'est celui qui évoque le plus nettement Tanger la Blanche, tel que l'avait présenté Pierre Loti, et tel qu'elle avait attiré le peintre son lecteur. En effet, le rebord de la fenêtre sur laquelle s'ouvre la chambre sombre d'un bleu plus clair, cette teinte qui est chère à Matisse, porte deux vases de fleurs, celui de gauche étant bleu clair mêlé de blanc, avec un mélange de fleurs blanches et noires, celui de droite étant rouge et contenant une plante blanche et noire, ainsi qu'un mélange de fleurs rouges et blanches. Le fond du paysage est plutôt sombre, avec des arbres bleu foncé. Plus loin sont d'abord des maisons aux murs blancs et aux toits verts, puis un ensemble blanc, ou plutôt blanchâtre, avec une mince étendue jaune. En tout cas, le Tanger la Blanche de Pierre Loti est bien là, enfermé dans d'autres couleurs et sous un ciel bleu. Il est possible que le temps incertain, pour ne pas dire médiocre, ait dissuadé Matisse de descendre plus bas dans le pays et d'affronter les pluies torrentielles qu'avait connues Loti en 1889. On sait qu'il s'est rendu 3 jours à Tétouan à dos de mulet, mais qu'il a dû renoncer à aller à Fès, peut-être compte tenu d'un climat politique très incertain, la signature du traité de protectorat français provoquant des tensions dans le pays. À vrai dire, la lecture du livre de Loti aurait pu le dissuader d'une pareille entreprise climatique, raison climatique aidant, si, en partant vers le sud du Maroc, la pluie n'avait cessé de tomber plus que jamais. À la fin de son premier séjour, après l'escapade à Tétouan et après le départ de sa femme, Matisse, toujours confiné à Tanger, a peint, c'est bien connu, Zora et Amido, le portier de l'hôtel Valentino. Je ne citerai pas ici les pages tout à fait étonnantes que Tahar Benjelloun a écrites à ce sujet. Si Zora est en jaune, la toile qui semble datée du printemps 1912, avec tout au plus un peu de blanc dans ses habits, dans le portrait d'Amido, et qui semble datée d'avril 1912, le blanc occupe plus de place dans le second de ses tableaux, et Rémy Labruce, dans son commentaire, a mis en valeur, je le cite, ces fragments de couches de peinture blanche qui ourlent les contours de la calligraphie en noir. Ce qui me frappe surtout dans ce tableau, c'est l'équilibre des couleurs, alors que le jaune domine nettement dans Zara en jaune, comme le souligne le titre choisi par Matisse lui-même. On sait que le retour à Paris, au terme du premier séjour, se situe en avril 1912, et que c'est après un été passé à Issy-les-Moulineaux que Matisse est reparti pour Tanger le 21 octobre.
Il y restera jusqu'au 15 février 1913, rejoint entre-temps par son épouse Amélie et par le peintre Charles Camoin, qu'il avait connu lors d'un retour de Corse en 1899, qu'il avait associé au groupe Matisse et à la cage aux fauves du salon d'automne de 1905. Il me semble que pendant ce second séjour à Tanger, Matisse est resté fidèle aux peintures d'intérieur, mais peut-être qu'il s'est ouvert encore sur Tanger la Blanche et sur les paysages marocains. Le blanc est particulièrement présent lors de ce second séjour de Matisse à Tanger, du 21 octobre 1912, donc au 15 février 1913, car il y trouve alors un atelier de photographe très clair et tout blanc, je le cite, lui permettant de travailler au grand format commandé par les Russes Stchoukine et Morozov. Il en fait état dans sa lettre à Georgette et Marcel Samba du 15 décembre 1912. C'était donc une manière de reprendre contact, en quelque sorte, avec ce blanc majeur qui était cher à Loti et qui lui paraissait à Loti particulièrement majeur à Tanger. Durant le second séjour à Tanger, et spécialement pendant ce second hiver tangérois, Matisse a peint les deux versions du Riffin, le Café Mort, et complété plus que peint le triptyque marocain, paysage vu de la fenêtre, sur la terrasse et la porte de la Casbah. Je ne vais pas insister sur ce tableau, mais je voudrais revenir peut-être sur le paysage vu de la fenêtre, avec encore ces fleurs et avec encore au loin le blanc des murs, le blanc de la chaux qui n'avait cessé de frapper Loti. Je me garderai bien tout de même de parler d'un blanc majeur ici à propos de Matisse comme je l'ai fait à propos de Loti. Et d'ailleurs, ce blanc n'est nullement exclusif chez l'écrivain. Quand on regarde l'un des tableaux les plus célèbres que le Maroc ait inspiré à Matisse au cours de son second séjour à Tanger, les Marocains, mais qu'il a véritablement réalisé après son retour en France, c'est le bleu qui est majeur et non pas le blanc. Il avait conservé une esquisse de ce tableau, datant donc du temps de son second séjour à Tanger, où dominait, apparaissant au premier plan, un mur peint en bleu. Comme l'a écrit Claudine Gramont dans la notice que je me plais à citer, comme souvent chez Matisse, c'est une couleur unique qui, par son seul timbre, l'aide à synthétiser toutes ses sensations hétérogènes, et dans le cas des Marocains, le point de départ fut un certain bleu. Le bleu du mur, apparaissant au premier plan, influençait tout le reste, et Matisse lui a donné le maximum d'importance qu'il était possible de lui donner en gardant la construction objective du paysage. Le blanc est bien là, mais c'est le bleu qui est majeur. Le catalogue de Chicago, auquel s'est référé Claudine Gramont pour ce tableau, Les Marocains, met en valeur, je cite, « la confrontation des deux burnous de forme sphérique, l'un d'un blanc épais, l'autre laissé en réserve, l'idée de la grille blanche qui tranche sur le noir et participe à son scintillement, et de cette grande surface noire particulièrement lumineuse. » Matisse était d'ailleurs très fier, puisqu'il le compare au noir de Manet lors de l'exposition sur quatre murs qui a eu lieu chez Mag en 1946. On passerait donc du blanc au noir, mais je ne veux tout de même pas vous laisser sur cette note sinistre. J'ajouterai quelques mots, moins de conclusion que de transition, sur un autre travail qui serait possible, que je m'étais proposé de faire et que finalement je n'ai pas fait. Il m'a paru indispensable, en tout cas utile, de passer de Loti à Matisse, et il me semble que le peintre lui-même nous y a invités, mais un prolongement en littérature serait souhaitable après cette trop longue place accordée à Loti. Je me proposais donc alors d'évoquer, mais je ne le ferai que très 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 rapidement,
deux écrivains qui sont indissociables du peintre, comme Baudelaire l'est de Delacroix. Le premier est Guillaume Apollinaire, qui a été heureusement cité tout à l'heure par M. Lénard. Apollinaire qui a été très sensible à ce qu'on peut appeler, ce qu'il a appelé, la priorité des couleurs dans la peinture de Matisse, et ceci me ramènerait donc à ce que j'ai essayé de développer devant vous. Mais il y a aussi, et M. Lénard le signalait tout à l'heure, cette qualité liturgique qui est la marque que Apollinaire retenait principalement. Le second écrivain est bien sûr Louis Aragon, qui a rencontré Matisse à la fin de l'année 1941 seulement, mais lui est resté fidèle jusqu'à la mort du peintre à l'âge de 85 ans en 1954. Et je vais quand même citer ce livre. Dans Henri Matisse roman, Aragon a rappelé comment, je cite, « Dans l'atmosphère de la drôle de guerre, Henri Matisse, éprouvant une nostalgie des couleurs de la lumière des pays lointains, avait envie de retourner au Maroc, à en revoir des paysages. » Je dirais de retrouver le blanc. En tout cas, le ciel de Matisse, écrit Aragon, c'est un ciel blanc. Il arrive même que le voile noir devienne blancheur, et c'est pourquoi, je cite toujours Aragon, toute la série de la femme voilée demanderait un commentaire à n'en plus finir. Je vous remercie. Merci, professeur Brunel, pour cette excellente intervention, communication très riche, qui en même temps nous conduit dans la palette entière de Matisse et qui en même temps relie Matisse avec la littérature. Et donc là, avec Aragon, avec Guillaume Apollinaire, nous pouvons parler d'une exactement fusion entre littérature et peinture, une correspondance entre les deux. Il y a également, ce que je voulais dire, une sorte d'ekphrasis dans les ouvrages de Loti qui parle de la peinture et des images picturales. Donc, en fait, Loti n'est jamais très loin, même dans ses romans, il n'est jamais très loin de la peinture. Et il a fait 200 dessins, je pense, hein, qui sont très importants. Et par certains ailleurs, sont reproduits dans le livre. Voilà, certains sont reproduits. Le blanc dans ces tableaux, c'est exactement, comme vous l'avez si bien dit, le blanc et le noir qui sont si chers à Manet également, où le noir et le blanc ne s'avoisinent jamais. Et le noir qui permet de diviser entre les couleurs. Et ça, nous le verrons peut-être tout à l'heure. Donc il y avait effectivement une influence de Delacroix, une influence très forte sur Matisse, mais en même temps où Matisse cherchait à s'éloigner de Delacroix. Donc merci encore, monsieur le professeur Brunel. Je passe la parole au professeur Abdelrahmi Fanen. Alors, pardon. Ah, d'accord. Il faut. Oui, ça y est, il est éteint. Il est éteint. Alors, professeur Abdelrahmi Fanen est docteur en littérature française et comparée, enseignant-chercheur et écrivain. Il enseigne à l'université Qadi Ayed de Marrakech, sa ville natale. Il est l'auteur de recueils de poèmes. C'est juste tout ça? Oui. Il est l'auteur de recueils de poèmes « Je ne mourrai pas avant le printemps »,« Demeure Marrakech », poèmes et photographies. Professeur Fanen est co-auteur de « Penser le corps au Maghreb », »,« Celui qui vient de l'avenir », Abdelkader Khatibi, Abdelkbir Khatibi, Mohamed Louakiri, c'est ça, Louakiri, traversée de l'œuvre, et une histoire de la photographie marocaine à paraître. Je vous laisse donc. Je vous laisse donc la parole pour nous entretenir de votre communication. Alors, j'ai intitulé cette communication. C'est dans ce sens-là qu'il faut défiler les images, c'est ça? Voilà.
J'ai intitulé cette communication « Le Maroc, une étape décisive dans la peinture d'Henri Matisse, filiation, rémanence et postérité ». Je lui ai choisi comme épigraphe, comme vous le remarquez, un vers d'Arthur Rimbaud, « Trouver le lieu et la formule ». En mettant cette communication sous le signe de la poésie, sous le signe d'un poème d'Arthur Rimbaud, je voudrais faire écho avec Henri Matisse à plus d'un titre, mais en l'occurrence parce qu'il était, comme d'autres peintres, nostalgique d'un supposé âge d'or, en quête de son paradis arcadien, et avec l'intitulé de ce colloque, au mot « résonance » en l'occurrence. Résonance est, comme vous savez, le titre des poèmes publiés par Vassili Kandinsky en 1912 dans un livre dont il a pensé le format et la mise en page et qu'il voulait unique, l'année même de la sortie de l'almanach du Cavalier Bleu, c'est-à-dire du saut dans la modernité au nom de ce beau principe. Tout est permis. L'année aussi où Matisse débarqua au Maroc à Tanger pour la première fois. La peinture de Matisse m'a toujours poser deux difficultés. La première consiste en cette contradiction entre son apparente facilité et sa recherche profonde, une contradiction qui est au cœur de son étape marocaine. Comment qualifier en effet cette dernière des preuves, pour citer Rémy Labruce, ou de bonne entente. Parlons dans son art, Matisse n'a jamais pris une posture de théoricien ni de révolutionnaire. Ce dont il rêve, dit-il, c'est un art, je le cite, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui soit pour tout travailleur cérébral, homme d'affaires, aussi bien que pour l'artiste des lettres, par exemple, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose analogue à un bon fauteuil qui les délasse de ses fatigues physiques. Claude Fournet a raison d'évoquer chez Matisse cette conviction profonde d'une vocation bonheur. Il y a l'universalité du bonheur chez tous les hommes, chez Matisse. Rien que cela. Redonner forme à l'unité perdue, à l'un au sens mystique. Telle me semble l'immense tâche à laquelle l'art de Matisse s'est dédié pendant toute une vie avec une apparence de légèreté. Une tâche qu'il menait au milieu d'une tension insoutenable. Il serait venu au Maroc juste pour fuir l'ambiance et l'excitation de la ville de Paris. Ça aurait pu être Venise. Y a-t-il une nécessité dans la rencontre entre le Maroc et Matisse, sachant qu'une année avant, il était à Grenade, Cordoue, Séville? Pierre Schneider parle de l'étape Maroc, Andalousie-Maroc, comme s'il s'agissait d'une seule étape. Certes, du point de vue de la continuité chronologique, cette façon de voir les choses est juste. Mais Matisse, de longues années après, il évoquait surtout le Maroc. Il dit, je cite, « Le grand intérêt que m'a donné le Maroc, le grand intérêt, hein, il parle d'un intérêt, le grand intérêt que m'a donné le Maroc, ainsi, je voudrais juste préciser une chose, de tous les livres que j'ai lus, articles autour de Matisse, aucun critique d'art n'a pu dire exactement là où le Maroc a spécifiquement eu une influence sur Matisse. Ce n'était que des approximats plus patients que des hypothèses. Et donc, mais Matisse parle de grand intérêt, c'est-à-dire que le Maroc était un sujet sérieux pour lui. Le grand intérêt que m'a donné le Maroc, ainsi que les œuvres que j'y ai faites, ne peuvent pas me faire oublier l'angoisse que j'éprouvais à exprimer mes sentiments en peinture. J'étais obligé de me dédoubler, de laisser un homme affolé de tant de lui pour gagner quelques instants de calme qui me permettraient de travailler. Mes sensations devant la nature m'étreignaient et je ne pouvais m'en délivrer que par un effort pénible. À ce moment, je ne pouvais pas dormir. Ma femme, avec un dévouement admirable et inoubliable, me faisait la lecture une partie des nuits pour me donner un peu de distraction et amener le calme dans mon esprit. Il a dû repartir en France avant moi en me laissant désorienté comme un enfant
que l'est sa mère. Je parlerai de la figure de la mère et dans ce rapport à la femme dans l'œuvre de Matisse. Il ne s'agira dans cette communication, il s'agira plutôt de broder autour, quelques esquisses autour de trois questions. Donc broder des esquisses de réponse autour de trois questions. Quelle filiation de hasard et ou de nécessité, peinture, lecture, voyage, émulation artistique, a mis le Maroc sur le chemin de Matisse et comment ce dernier a influé son œuvre. La deuxième question, les survivances portent sur les survivances du Maroc dans l'œuvre de Matisse. Et la troisième question, quelle postérité, au pluriel, quelle postérité de Matisse au Maroc. J'ai parlé d'esquisser et c'est l'occasion d'évoquer la deuxième difficulté que j'ai, je trouve, devant, que je rencontre devant l'œuvre de Matisse, de même que lui a dit devant le Maroc, le mot qu'il a écrit, c'est difficile à faire du vert, du bleu, etc. Je me trouve obligé de dire, c'est difficile à dire avec les mots, les tableaux de Matisse. La formule est le lieu. Quand Henri Matisse, accompagné de sa femme Amélie, débarqua la première fois à Tanger le 10 janvier 1912, après une traversée de 3 jours à bord du paquebot Sarijani. Il avait déjà voyagé en Algérie en 1906, en Andalousie entre 1910 et 1911, en Russie en 1911 où il découvrit les icônes et les fresques post-byzantines. Il avait lu au Maroc de Pierre Loti, il connaissait l'œuvre de Delacroix inspirée par le Maroc, il connaissait l'art islamique à travers les expositions qui avaient eu lieu en Europe, l'exposition universelle en 1900, l'exposition en 1900, de 1903 au Musée des Arts Décoratifs à Paris, l'exposition de Munich en 1910. Ces tableaux, pour ne citer que deux ou trois ou quatre, hein, la Desserte Rouge en 1908, la Famille du Peintre en 1911, Intérieur aux Aubergines, l'Atelier Rouge, témoigne de sa prise de conscience de la différence entre l'art islamique et l'art occidental et de sa recherche pour les réconcilier de sa peinture et de la contagion de son style par le tapis de l'Orient islamique. Tanger qu'il ne quitta qu'une seule fois pour aller à Tétouan, et là je vous invite, je fais référence à Alain Buisine, L'Orient voilé, éditions Zulma 1993, qui dit à propos de Tanger que c'est une ville qui se situe notamment au chapitre à l'extrême limite, Paul Bowles, il dit à propos de Tanger, vous vous pensiez ailleurs, vous êtes encore au plus près de ce que vous venez à peine de quitter, vous êtes au moins au tout début de l'Orient qu'à l'ultime poste de l'extrême Occident. Et donc, il faut préciser que c'est bien de préciser que Matisse est venu au Maroc, mais il est venu en l'occurrence à Tanger, et qu'il n'a quitté Tanger qu'une seule fois pour quelques jours pour aller à Tétouan et rentrer après. Et donc, cette ville était une ville internationale suite à la conférence d'Algigiras. Elle était de loin la ville la plus européanisée et occidentalisée du Maroc. Là, je fais référence à Isaac Assayag, à son livre « Tanger, le boulevard Pasteur, origine, transformation, histoire ». C'est dire que Matisse n'est pas venu en terre totalement étrangère, inconnue pour lui. Lui qui préfère parler dans son cas de déplacement au lieu de voyage et qui se définit plutôt comme un voyageur sédentaire. Quelques peintres amis de lui l'ont précédé à Tanger qui l'auraient même encouragé à y venir, Marquet, Camoin, entre autres. Une fois là-bas, il a intégré ce microcosme amical et artistique. Le dépaysement avait été amorti par la camaraderie artistique, par des voyages imaginaires et des voyages réels, d'où Matisse est à chaque fois revenu avec des objets avec lesquels il a constitué son Orient intime et portatif. Pierre Schneider dit « Matisse rime avec Nice ». J'aimerais ajouter que Matisse rime aussi avec Maroc. Quelque part, tout est dans Matisse. Je divise ce mot en deux. Matisse, ma, de maman, de ma femme, de figure cruciale dans la vie de Matisse. Ma de Maroc, ma de main, et tisse de tissu, tapis, surface, toile. La lettre signe, la lettre forme M est une rencontre, une conjonction de trois triangles. La composition triangulaire dans plusieurs tableaux de la période marocaine, comme aussi marquée cette période aussi par ses triptyques. Rappelons à ce sujet ce que dit
Kandinsky à propos de la lettre de l'alphabet comme point de départ de l'analyse picturale, rappelant aussi ce que dit Michel Henry traduisant la pensée de Kandinsky. Il est possible de ne plus tenir compte de la finalité, de cette finalité idéale de la lettre, de ne plus la percevoir comme lettre, mais au contraire, comme une simple forme, un certain graphisme composé de divers segments d'orientation variée. Lorsque la finalité langagière de la lettre a été mise de côté, celle-ci n'est plus une lettre, elle est devenue une forme picturale. Trois choses émerveillèrent Matisse au Maroc: la végétation, la lumière et les habitants. La végétation, je ne vais pas répéter ce qui a été dit depuis le début dans ce colloque, il dit à propos de cette végétation luxuriante qu'il a vue dans la campagne environnante de Tanger ou dans la villa, dans le parc de la villa Brooks, où il a peint pas mal de ses tableaux. Il dit « Je suis à Tanger depuis un mois, après avoir vu pleuvoir 15 jours et 15 nuits, comme je n'ai jamais vu pleuvoir, le beau temps est venu, charmant, tout à fait délicieux de délicatesse. Ce que j'ai vu au Maroc m'a fait penser à la Normandie comme ardeur de végétation, mais comme bien variée et décoratif. » Il confie plusieurs années après, vers 1940 et quelques, à Gaston Dille, les voyages au Maroc m'aidèrent à accomplir la transition nécessaire et me permirent de retrouver un contact étroit avec la nature. Il dit aussi, j'ai trouvé les paysages du Maroc exactement tels qu'ils sont décrits dans les tableaux de Delacroix et les romans de Pierre Loti. La différence, elle est là, par ailleurs. Là où Delacroix voit dans les paysages du Maroc des tableaux tout faits, Matisse dit « comme c'est neuf et comme c'est difficile à faire du bleu, avec du bleu, du rouge, du jaune et du vert ». Il parle à deux voix, Matisse, ici. Il parle avec la voix de l'homme en phase avec les éléments de la nature et avec la voix de l'artiste qui considère que peindre est un paysage, est un moment de l'artiste. La difficulté à laquelle devait faire face Matisse au Maroc consiste à peindre sa végétation tout en l'introduisant dans son système. Il s'agit de réconcilier le décoratif et la nature, de transmuer le végétal en textile. Il s'agit de peindre le jardin tapis, mais le tapis non pas comme produit, comme Mémésis, mais comme mode de production, comme Sémiosis, comme une contagion qui imprime sa loi à toute la surface du tableau. Enfin, et dans la mesure où la recherche formelle chez Matisse est indissociable d'une quête spirituelle, peindre le jardin tapis comme paradis. La lumière, le beau temps est venu, quelle lumière fondue, pas du tout Côte d'Azur, et la végétation normande comme ardeur, mais quel décoratif. L'impact de la lumière peut être visible dans des poèmes, dans des tableaux, comme le vase d'Iris, les acanthes. Excusez-moi, je me suis laissé un peu. Comme les acanthes, les pervenches, la palme, arôme et iris. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Pierre Brunel. En fait, ce n'est pas le bleu qui est la couleur dominante dans les Marocains, c'est plutôt la couleur noire. Mais cette couleur noire, elle n'est intense que parce qu'il est l'autre face de la lumière qui est aussi intense. Le noir ici est comme l'ombre de la lumière. Enfin, le troisième élément qui a émerveillé Matisse au Maroc, c'est le corps, c'est les habitants, c'est les personnages, ou peut-on dire la figure. Fidèle à ses tiraillements, à ses dualités comme le point tendu au son art puis ses formes, Matisse écrit en 1908, alors que des tableaux comme Tapis rouge, Nature morte, Tapis rouge en 1906, Nature morte en rouge 1908, témoignent déjà de l'imprégnation de sa peinture par l'esthétique de l'art musulman. Il dit « Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est ni la nature morte, ni le paysage, c'est la figure. C'est celle qui me permet le mieux d'exprimer le sentiment, pour ainsi dire, religieux que je possède de la vie. » L'éternel dédoublement de Matisse. Les mots avec lesquels il évoque ses personnages marocains, la mulâtresse et le rivin, entre autres, et les portraits qu'il a fait d'eux
entre les deux, entre ces mots et les portraits, les tableaux, il y a un écart énorme. Il dit à propos du Rifin, « Et le Rifin est-il beau ?» Le grand diable de Rifin, avec sa face anguleuse et sa carrure féroce, pouvez-vous regarder ce barbare splendide sans songer aux guerriers d'autrefois, les morts de la chanson de Roland, avec cette franche mine. S'ils ne sont pas dénués d'exotisme et de stéréotypes, ces mots traduisent aussi une fascination. Observant les Marocains par le prisme des différences physiques, dont le visage et la corporeité pétris par la culture et sa façon de donner au corps une identité, il ne pouvait qu'être sensible à cet exotisme au sens noble du terme, au sens que Ségalène donne au mot exotisme, pas au sens péjoratif, et à ce divers. Un divers physique qu'il aurait d'abord impressionné, de même que la végétation et la lumière marocaine l'avaient tout de suite saisi. Un divers qui ressort à ses peintures et dessins. Dont trois études de Zora, dont trois études de Zora, le portrait central du modèle présente des traits négroïdes. Zora peinte ailleurs, assise, debout, en jaune. Matisse, qui s'est aussi fait photographier et autoportraiturer en marocain, son inspiration du jazz dont elle appréciait la musique, son portrait de Joséphine Baker, les différentes lumières du monde dont il voulait faire une seule lumière, la lumière spirituelle qu'il voulait mettre dans sa peinture. Il y a quelque chose dans la peinture, dans l'œuvre de Matisse, de la tribu arc-en-ciel. À 2 ans de sa mort, il déclare « J'ai compris que tout le labeur acharné de ma vie était pour la grande famille humaine. » Les figures marocaines peintes par Matisse ont été l'occasion pour daphniser les portraits, pour fusionner l'humain et le végétal, mettre encore une fois en évidence ce qui lui a été révélé par la figure de la mère. Sur la terrasse est le panneau central du triptyque marocain au milieu de paysages vus de la fenêtre et porte de la Casbah. Dans la tradition chrétienne, sur les icônes à plusieurs panneaux, la place centrale est occupée par la Vierge. J'ignore si Henri Matisse savait que la pose qu'il a choisie pour son modèle, Zora, est une parmi les postures du corps lors de la prière musulmane. Le corps de Zora, dont le visage est asiatisé, est entièrement habillé par la couleur et les motifs, y compris ses mains. Corps et motifs qui font écho avec les motifs des babouches et avec d'autres tableaux de Matisse, la danse par exemple. On retrouve ici cette atmosphère de sérénité, de quiétude qui se dégage de son œuvre transitionnelle par excellence au Maroc, le café marocain, la station assise du personnage, son air méditatif, le bocal des poissons rouges, un détail récurrent dans la peinture de Matisse. S'il y a épreuve, comme dirait Mélabrusse, il ne date pas du voyage de Matisse à Tanger. Il l'a toujours traversé. Il est par contre probable que l'étape marocaine corresponde à sa culminance et jusqu'à une certaine mesure à son dénouement. La dualité figure fond, végétal décoratif, figure décoratif, corps plante, art islamique, tradition chrétienne, se trouvant au centre de ses recherches, se résolvent au Maroc dans des peintures imaginatives et heureuses. Le désir d'unité sous-jacent à l'art de Matisse, mu par un profond sentiment religieux, franchit un pas de plus, un désir d'unité qui expliquerait probablement pourquoi il est à la fois peintre, sculpteur, dessinateur et musicien, sans oublier l'importance de la danse dans sa peinture. De quoi penser à l'art monumental de Kandinsky. Il dit « il y a dessin », mais c'est dessin avec « i » tout simplement, c'est pas « e », c'est le dessin. « Il y a dessin », dit Matisse, « commun à toutes les choses, les plantes, les arbres, les animaux, les hommes, et ce dessin-là, et c'est à ce dessin-là qu'il faut être accordé. » Fin de citation. La transition qu'attribue Matisse à son voyage au Maroc, elle est là. Elle est dans cette épuration que son art poursuivait depuis toujours. La transition qu'attribue Matisse à son voyage au Maroc est là. Elle est dans cette épuration que son art poursuivait depuis toujours, dans cette forme de vacuité dans le café marocain et l'expression la plus aboutie de sa peinture marocaine.
Plus que le lieu au son théâtre, ce que ce tableau montre, c'est un autre temps, un temps presque en suspens, végétatif. Par son sujet, elle est quelque part le répondant de joie de vivre, à la différence qu'il ne s'agit pas là d'une rêverie, mais d'une Arcadie incarnée, réelle. Sans aller jusqu'à l'abstraction, Matisse efface les traits des visages dans le tableau, le café marocain, dénue le lieu, il suffit de comparer les dessins du même sujet ou de comparer le tableau fini, la version que nous sommes en train de regarder avec le tableau de Charles Camoin, Café Mort. Donc Matisse dénue le lieu, c'est dans le dénuement que nous pouvons ouvrir les yeux appréciés d'Irénée Maria Rilke. À vrai dire, cette vacuité du lieu n'est pas une invention de Matisse, mais la réalité du lieu même. C'est là où Matisse a vu juste, même si la posture de chacun des personnages lui donne une certaine singularité. Ce qui importe dans ce tableau, c'est la communion, c'est la corporité collective. On est là à la limite du juste, du profane et du sacré. Ce tableau me fait penser à un souvenir de Barthes au Maroc dans un bar à Tanger où les buveurs faisaient circuler la même pipe de kif entre eux. Il y a ici ronde sans qu'il y ait nécessairement cercle. Il y a confrérie entre les hommes, les plantes et les poissons rouges, entre eux et le lieu où ils s'impriment comme des motifs dans un tableau, dans un tapis plutôt, dessiné dans la couleur, dit Matisse. C'est confondre le fond et la figure, le jardin tapis comme paradis. Deuxième point de cette communication, c'est le signe de mnémosyne. Je l'ai intitulé sous le signe de mnémosyne. Longtemps plus tard, Matisse évoquera le Maroc comme une épreuve, comme un sujet sérieux qui lui a donné beaucoup de tourments et comme un souvenir exquis. Il voulait y retourner pour une troisième fois, mais il renonça au dernier moment pour éviter la dispersion, dit-il, de sa concentration sous l'effet du pittoresque. Rentrant en France, elle ramène avec lui des étoffes, des costumes, des cartes postales, de la céramique et d'autres objets dont il se servira plus tard dans ses mises en scène pour peindre ses odalisques dans son atelier à Nice. Le Maroc fera définitivement partie de son Orient intime portatif. Il reviendra dans ses entretiens. Il ressurgira dans ses créations à travers des accessoires, des couleurs, des tons, des mises en scène, comme modus operandi artistique dont le dépouillement caractéristique s'exprimera avec évidence dans ses dernières œuvres, notamment dans ses gouaches découpées et à la chapelle du Rosaire de Vence. Le temps, la distance géographique ont fait ce travail de décantation dont Matisse a besoin pour créer. Un travail de décantation qui donnera lieu dans un premier temps à Demoiselle dans la rivière et à Marocain, tableau peint entre 1915 et 1916. Œuvre en partie mystérieuse et déconcertante, à la limite de l'abstraction, face à laquelle les critiques avancent des lectures approximatives, plutôt techniques, des hypothèses, commettent des imprécisions, des indécisions. Certains parlent de mosquée à la place du marabout dans le tableau. Alfred Barr parle de Marocain en prière s'agissant des melons. Matisse ne parle pas de melons, mais de coloquintes. Ce tableau fait partie de ceux qu'il a peint sous l'influence du cubisme et se détache de l'œuvre, de l'ensemble des œuvres inspirées par ses deux séjours au Maroc, le Rifin, Café Arabe, entre autres, Porte de Casbah, et s'y rattache par contre par la présence du vert et du bleu, par des signes traduisant la marocanité, par sa composition triadique. La peinture de Matisse au Maroc, caractérisée par sa composition triangulaire et par ses triptyques. Le mystère de la couleur noire, comme dans Porte-fenêtre à Couliure, 1914, fait vraisemblablement allusion à la guerre dans laquelle le monde vient d'entrer. Mais ils sont où les Marocains? Ils sont où le Marocain dans ce tableau? Non seulement Marocain coupe court avec tout exotisme aux recherches du pittoresque, mais en plus Matisse reconnaît à travers ce tableau aux Marocains, alors qu'ils viennent d'être mis sous le régime du protectorat français, une identité tellement forte qu'il n'a pas besoin de personnages, de scènes de la rue, d'anecdotes pour être reconnu comme tel. Que de simples signes évoquent comme une synecdoque
la silhouette d'un homme assis vu de dos, un marabout, un pot de cactus. Décor, paysage, scène dont la probabilité est mise en cause par le déséquilibre des échelles et le jeu des superpositions par la défiguration de ce qu'il est censé représenter. Que ces peintures fassent écho d'un genre artistique, durant la période niçoise, le Maroc sera présent dans la peinture de Matisse à travers ses deux odalisques. Quant aux odalisques, dit Matisse, je les ai vus au Maroc, ce qui me permet maintenant de les peindre pour de vrai. Fin de citation. Matisse confond certainement les odalisques avec les prostituées qu'il a vues dans le bordel où il a déniché Zora, son modèle marocain préféré. Ce qu'il appelle vrai est une reconstitution imaginaire d'après des tableaux et des cartes postales. Le recours à la mise en scène factice dans son atelier ou des accessoires marocains constitue le décor oriental en est la preuve. Il s'explique comme s'il était embarrassé. Je fais des odalisques pour faire du nu. Mais comment faire du nu sans qu'il soit factice? Et puis, je sais que ça existe. J'étais au Maroc, j'en ai vu. Les derniers tableaux de Matisse sont... Que ces peintures, soient face écho d'un genre artistique, figure fantasmée de la femme musulmane orientale, je parle des odalisques, est un fait. Ils font par ailleurs penser à un thème cher à Matisse, à savoir le paradis, sa quête du bonheur, et à la finalité toute simple qu'il a toujours voulu donner à la peinture. En ce sens, Gilles Néret a raison de s'interroger. Les odalisques ne sont-elles pas en réalité les houris d'Allah? La sensualité qui en déborde, comme dans une grande partie de la peinture de Matisse, est doublée d'un fond spirituel. Rappelons ce que dit Matisse à propos de la figure et ce qu'il a vécu à la poste de Picardie. Entre ce qu'il a vu au Maroc et son souvenir, il y a sa rêverie, ses fantasmes, ses pulsions, son histoire et sa recherche, l'éternelle dualité. L'essentiel est encore une fois dans cette dualité entre le décor oriental et la figure, l'arabesque et la couleur. De sorte qu'entre le corps du modèle et ce dernier, il y a un prolongement, même si Matisse renoue avec le tableau tridimensionnel dans les odalisques. Ces portraits, dit Gilles Néret, tendent vers le nu comme vers la plus haute expression graphique. Fin de citation. Le corps devenant lui-même un élément décoratif par sa pose, rappelant l'arabesque, ou par le détail d'un accessoire qui sert de parure et ou de vêtement. Les derniers tableaux de Matisse sont des souvenirs du Maroc. Katia, en 1951, femme à la gandoura bleue, la même année, Zulma. Certains critiques d'art trouvent que ce tableau est une Zora recréée en utilisant certains souvenirs marocains des années 20 et surtout des années 30 qui se présentaient sous la forme des peintures odalisques. Après, Matisse va abandonner la peinture pour une technique simple, avec pour seul moyen des ciseaux et du papier peint, comme un enfant. Le papier découpé, dit-il, me permet de dessiner dans la couleur. Il s'agit pour moi d'une simplification, je dessine directement dans la couleur. Dessiner dans la couleur, c'est ce que Matisse a fait dans la danse, la musique et dans le café marocain, l'œuvre transitionnelle par excellence dans la charnière qu'a été le Maroc pour Matisse. Il finit comme il a commencé, peignant, dessinant dans son lit de malade ou depuis sa chaise roulante, ne laissant rien voir de ses tourments, de sa recherche, de ses tiraillements, rien que ce calme tour à tour, voluptueux et spirituel, que cette religion du bonheur. Il utilisera sa nouvelle technique dans Jazz Album 1943-47, dans ses gouaches découpées, dans la chapelle du Rosaire de Vence. Les gouaches découpées réalise découpées sont réduites à deux acteurs, la figure et le fond, à deux couleurs, le bleu et le blanc. La figure devient forme et vice versa. Je passe au dernier point qui est postérité au pluriel de Matisse au Maroc. Étonnamment, il n'existe pas de filiation directe entre Henri Matisse et la peinture marocaine. Aucun artiste marocain ne le réclame comme son maître ou comme une parmi ses principales références, voire, comme l'a remarqué Tony Marini, critique et historien d'art qui a accompagné la scène artistique
avec sa bienveillance savante pendant 4 décennies, il dit, dans leur déclaration, les principaux peintres du Maroc font rarement mention de Matisse, grand peintre certainement, mais dont le passage au Maroc n'a pas eu de retentissement sur la culture nationale. Fin de citation. Comment appeler cette omission ? Faut-il l'ajouter à la série des malentendus que Matisse a engendrés en France, accusé d'artiste petit bourgeois ? Ceci dit, qui parmi ses grands prédécesseurs, Kandinsky, Mondrian, Malevich, Barnett Newman, Rothko, Clifford Steele, a pu échapper à l'influence de Matisse ? Le XXe siècle n'a connu que 2 grands maîtres, Matisse et Kandinsky et Picasso. Kandinsky dit Matisse couleur, mettons tout Matisse en majuscule, Picasso en majuscule, forme. Donc Matisse couleur, Picasso forme, 2 grandes distances, 1 grand but, du spirituel dans l'art. Et quelque part, Picasso dit à propos de ce binôme, lui-même qu'il constitue avec Matisse, pôle sud, pôle nord. Entre ces 2 pôles, le dessin de l'art s'est décidé. Si l'influence de Matisse sur la peinture marocaine est incontournable, il n'a pu trouver sa voie vers l'art marocain qu'indirectement, relié par d'autres influences, autant en tant que survivance, pour citer un mot cher à Georges Didier Huberman, la ténacité têtue des formes. Si les artistes marocains ne revendiquent pas Matisse comme un ancêtre du latin antécesseur, les critiques d'art, je mets entre guillemets l'expression critique d'art, les écrivains plastiques et les historiens d'art, je mets aussi entre guillemets les historiens d'art au Maroc, n'en font pas pareil. Tony Marini le cite avec Paul Klee et Vassili Kandinsky récurremment dans ses monographies sur la peinture marocaine comme un repère. Khatibi le cite avec Delacroix et Paul Klee comme les 3 figures de la transition de l'orientalisme vers l'occidentalisme dans l'art contemporain. Il y a en effet plus d'une raison pour que l'œuvre de Matisse ait un retentissement dans la peinture marocaine, sinon au moins parmi la première génération d'artistes marocains. Sa reconnaissance envers le Maroc et l'Orient, et en l'occurrence le Maroc. Il dit « Le Maroc m'a aidé à faire la transition nécessaire ». Ce que dit Matisse s'adressait bien évidemment à l'époque à ses pairs occidentaux. Mais c'est une leçon que les peintres marocains engagés dans un processus de réhabilitation de la culture visuelle marocaine, de ses valeurs vernaculaires, ne pouvaient que capter et activer. Le long processus par lequel Matisse arrive à réconcilier la figure et les décoratifs, à faire la synthèse de l'art islamique et de l'art occidental, ne peut que retentir dans la peinture marocaine, dans sa volonté de remettre en question l'opposition art majeur, art mineur, de se donner une identité par la synthèse de la tradition art décoratif, arabesque, calligraphie, tapis, miniature, signes, gamme de couleurs, sans oublier l'usage de matériaux locaux, aînés, cuir, et de la modernité, de s'enraciner, de s'envoler. Il faut par ailleurs rappeler que cette fascination pour l'Orient n'est pas une exception matissienne. D'autres artistes occidentaux l'ont exprimé. Paul Klee, Natalia Gonchar-Rova, Hugo Hofmannsthal, Gauguin et d'autres. De même, d'autres artistes ont, comme lui, effectué le voyage ou le séjour au Maghreb. Pourquoi donc, la question, pourquoi donc, les univers des pionniers Mohamed Sharqawi et Mohamed Gharbawi, des peintres du groupe 65, pour ne citer que cela, évoquent plus celui des artistes du Bauhaus, de l'art abstrait, de l'expressionnisme abstrait, et ne font pas grand cas de Matisse. Voilà ce qu'on peut-être expliquer par leur trajectoire individuelle, des formations, des rencontres, une conjoncture marquée par un engouement pour l'art abstrait synonyme de modernité, par leur recherche d'un art révolutionnel, rappelant que la majorité de ces écrivains étaient regroupés autour de la revue Souffle, qui était une revue d'obédience marxiste. La leçon de Matisse au Maroc n'est pas non plus inouïe, il faut le préciser. Elle date peut-être même de la première action en faveur de l'art dans le Maroc contemporain. Je cite Lyoté, on a dû délibérément chercher non pas une adaptation au Maroc des formules entièrement nouvelles, c'est le cas notamment du service des arts indigènes, des services des beaux-arts
et des monuments historiques auxquels rien ne répond d'analogue. C'est quelque chose qui a été écrit en 1931 à l'occasion de l'exposition coloniale internationale de Paris. Il est par ailleurs facile de reconnaître l'influence de Matisse dans cette façon de procéder dont parle Mohamed Qassini. Il dit « je dénoue », ce que je traduis par « je détisse », « je décris les arabesques, les motifs floraux, le nœud abstrait de l'art islamique ». Fin de citation. Ou dans celle de Mohamed Mlehi, quand il dit, c'est pas lui, c'est en fait Gauthier qui a fait un travail fait un ouvrage sur Mlehi, il dit à propos de Mohamed Mlehi, en sa tâche postcoloniale qui venait de s'ouvrir, l'un des grands enjeux pour l'art marocain était de restaurer une relation avec l'héritage culturel local, et plus précisément avec ses expressions populaires. Ce sera l'une des lignes directrices de son, c'est-à-dire Mlehi, son enseignement. J'accrochais, dit Mlehi, des tapis berbères au mur, je leur faisais tracer et faire des agrandissements en noir et blanc, des lignes qui structurent certains objets comme des fibules, je leur parlais du Bauhaus. Le cas de Mohamed Mlehi est intéressant pour la question que nous soulevons ici. Après son séjour à Rome, puis à Paris, il s'installe aux États-Unis à partir de 1962. D'abord à Minneapolis, puis à New York, où l'abstraction était l'incarnation de la modernité. Je rappelle que Matisse a fait plusieurs séjours et fait l'objet de plusieurs expos aux États-Unis. L'exposition qui a eu lieu à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance au Centre Pompidou a porté sur la manière dont il a influencé 8 artistes de l'avant-garde américaine, dont André Warhol et Frank Stella. Ce dernier, auteur d'une série intitulée Moroccan Paintings, fait partie des artistes que Mlehi a connus avec lesquels il a exposé à New York. Interrogé cet artiste américain sur l'influence de Matisse sur son travail, il dit « Je pense que Matisse a atteint le plus haut niveau de l'art que l'art peut atteindre. » Il cite en l'occurrence 4 tableaux de Matisse, dont les Marocains. Revenons à Mlehi. Comme beaucoup d'artistes de l'époque, il a adopté l'ondulation comme caractéristique de son langage. Riche de son vécu new-yorkais, il retourne au Maroc pour y rester longtemps, un retour que Gauthier appelle l'appel du vernaculaire. De même que les ondulations sont devenues une caractéristique du langage de Mlehi, les retours vers des cultures, les voyages vers des cultures, les cultures africaines, sud-américaines, orientales, étaient en vogue. Mais le voyage, le retour de Mlehi ne peut que nous faire penser à celui de Matisse et au voyage de Kandinsky. Les ondulations et le couleur de Mlehi change parce qu'il vient de redécouvrir au Maroc. Pourquoi Gauthier avait-il besoin de récuser la parenté avec... Pulsation Human and Cybernetic et Composition Round s'il n'était pas évidente. Une image trouve dans Playboy et non une odalisque de Matisse est la source de ce motif. Je voulais terminer juste, j'ai fini par un petit paragraphe. Que reste-t-il de Matisse à Tanger? J'ai posé cette question à un ami écrivain journaliste tangérois. Voici sa réponse. Le grand hôtel Villa de France dans lequel Henri Matisse a séjourné a rouvert ses portes en septembre 2014. C'est un heureux événement. La chambre 35 où le peintre conçut certaines de ses œuvres maîtresses se trouve au deuxième étage. Elle est restée dans son jus, simple, avec ses 2 fenêtres, un grand lit, des meubles d'époque, un interrupteur ancien, une photo de Matisse et de son épouse Amélie. Et lorsque le maître d'hôtel ouvre les hauts volets de la fenêtre, de Matisse peignit sa célèbre vue de la fenêtre, on se rend compte que la vue n'a pas beaucoup changé. L'église anglicane Saint-Andrew, le grand Soko, la Médina, la Casbah. Plus loin encore, il ajoute, et je finis, ce qui reste de Matisse à Tanger, c'est une légende, un mythe, une histoire qui attend d'être réactivée de source avec des recherches nouvelles, des créations audacieuses. C'est le devoir de la mémoire contre l'amnésie, contre la généralisation des non-lieux. Merci. Merci pour cette très riche communication qui nous a amené à connaître de façon très profonde Matisse au Maroc et au-delà même du Maroc. Mais
Matisse a aussi eu des a aussi été influencé par des maîtres de l'art, à savoir Raphaël, Poussin, Vermeer, Chardin, et il a laissé également une influence sur les Allemands, par exemple, la postérité avec Wendy Harol, qui déclare en 1956 « Je veux être Matisse ». Et de l'école de New York, que vous avez si bien cité, de Rothko, de Bennett Newman, en France, chez les peintres du support surface. Donc au départ, il part avec l'impressionnisme décoratif et ensuite il évolue. Vous avez également vu parfaitement les influences marocaines de Matisse, et il n'y en a pas eu, ou très peu, c'est ça, hein? Voilà. Alors, par ailleurs, vous avez parlé avec monsieur le professeur Brunel, vous de la couleur bleue et professeur Brunel de la couleur blanche, et là vous n'étiez pas noir, et là vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Alors peut-être qu'on pourra reprendre cela tout à l'heure si vous voulez bien. Alors, nous passons maintenant au professeur Roger Benjamin. Pardon ? Ah, vous n'entendez pas ? Vous m'entendez, là ? Alors, professeur Roger Benjamin, historien de l'art à l'Université de Sydney. Professeur Benjamin a beaucoup écrit sur l'art moderniste français, la peinture orientaliste française et sur l'art aborigène contemporain. Parmi ses publications figurent Matisse's Note d'un peintre en 1985, Matisse au Maroc, une esthétique coloniale. Il a co-organisé en 1995 la rétrospective Matisse pour la Queensland Art Gallery. En 1997, l'exposition Orientalisme de la Croix Touclé. Son livre phare est Orientaliste Aesthetics, qui reçoit le prestigieux Robert Motherwell Book Award en 2004. Le professeur continue de travailler sur le Maroc au sujet de l'art et des échanges culturels sur le détroit de Gibraltar. Il a également écrit un ouvrage sur Matisse et l'art des fauves, Kandinsky et Clay in Tunisia, Biskra, sortilège d'une oasis. Son exposé porte sur Un Tanger des élites, comment Brooks, Sixou et Harris facilitèrent les grands paysages décoratifs de Matisse en 1912. D'accord. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, madame. C'est tard, je sais. Je vais aller directement dans mon présentation, avec les remerciements surtout à Madame Belhadj pour organisatrice de cet événement. Excuse pour le français. Alors, au Maroc, Matisse se trouvait un étranger dans un pays assez étrange. Comment va-t-il opérer sa profession de peintre sans les ressources familières comme à Collioure ou à Issy-les-Moulineaux? Il fut un voyageur expérimenté, après tout. Par 1912, il a déjà visité la Corse, l'Italie, Londres, Alger, Munich, Moscou, Séville, etc. Comme vous savez déjà, ce n'était pas son premier voyage au Maghreb. Voilà. Biskra. En passant 1906, il passait deux semaines, la plupart à Biskra, à l'aube du Sahara. Biskra, palmeraie ancienne et centre de vie traditionnel, à proximité d'une forte garnison française et une ville touristique toute moderne, donc facilité bourgeoise. Mais là, il avait pu réaliser que la peinture des personnes et les paysages en plein air n'était pas bien vu en pays musulman. Peindre à Biskra, Matisse n'y arrivait presque pas. Disait-il dans une lettre, il faudrait passer plusieurs années en ces pays pour en tirer quelque chose de neuf, et on ne peut pas prendre son palette et son système et l'appliquer. Donc je crois que des conditions similaires régnaient à Tanger.
D'abord, des facilités comparables, bateaux modernes à vapeur pour la traversée, poste français pour les lettres et télégrammes pour sa fille ici, sa fille à ici, ou les Stein. Quelques grands hôtels établis dans les années 1880, donc le Cecil, le Continental, la Valentina et surtout, bien sûr, l'Hôtel Ville de France. Ceci fut bâti en 1880 et surplombé alors le marché de charbon et le Grand Soco, et après, vers la fin du siècle, la petite église anglaise St. Andrew's Church. Le Soco fut un grand centre de vie arabo-berbère, mais fut aussi ceinturé par les légations françaises, allemandes et britanniques. Comme on sait, depuis presque un siècle, Tanger fut une destination privilégiée des peintres, mais attention, pas le Maroc en général, ce qui était fermé aux étrangers. Donc on avait les Britanniques David Roberts, les Français Delacroix et Regnault, l'Espagnol Fortuny, des Belges comme Van Rysselberg. Il y en avait des centaines de voyageurs. À moins attachés à une mission diplomatique, les artistes devaient se restreindre au nord du pays, à Tanger ou à la limite Tétouan. Je crois que la protection de la diplomatie européenne fut la clé de l'activité artistique à Tanger avant la déclaration des deux protectorats français en espagnol, comme vous savez, en mars 1912. Mars 1912, donc, c'était exactement le moment de l'arrivée des deux Matisse. Alors, aujourd'hui, je veux évoquer le réseau social international auquel Matisse accédait afin de poursuivre ses objectifs esthétiques. Voilà, je commence avec John Lavery, le peintre. Il paraît qu'avant de partir, Matisse a reçu les conseils de ses collègues peintres Camoin et Iturriño, récemment à Tanger. Mais pour moi, la personne qui lui donnait le plus fut un Irlandais, le peintre John Lavery, 15 ans plus âgé que lui, portraitiste de grand monde, un peu comme John Singer Sargent. Lavery avait gagné une fortune à Londres et il s'achetait une villa sur les hauteurs de Tanger vers 1890. Il y passait ses hivers avec sa femme américaine et les deux filles dans cette grande villa. Ce monsieur Lavery fut connu à Paris. C'est surprenant de savoir qu'il faisait partie du comité d'accrochage au Salon d'automne de Paris, le Salon des Fauves, célèbre en 1908, où Matisse, le prince des Fauves, tenait une exposition plus grande que d'habitude. Alors, dans ses lettres, Matisse raconte ayant visité ce Lavery dont il apprécie le bonhomie, mais pas du tout la peinture, disait-il dans une lettre à sa femme. Quelle mauvaise peinture! Matisse visitait à cheval. Comme vous savez, il y a plusieurs kilomètres entre son hôtel et la vieille montagne à Tanger. Matisse, en fait, pratiquait l'équitation. Et il y a des photos de lui et sa femme montés sur les ponies à la grande plage de Tanger. Tout à l'est de cette plage se trouvait une villa isolée de grande dimension et bâtie par Walter Burton Harris dans le style dit mauresque. Journaliste arabophone, écrivain et considéré par le monde international de Tanger comme spécialiste du politique marocain, Harris fut l'influent correspondant du Times of London. Depuis 1997, sa Villa Harris, qu'on voit ici, fut un centre de rencontres diverses. Donc, j'ai pris cette photographie il y a quelques jours à Tanger.
Heureusement que le bâtiment avait été sauvé et converti en musée. En fait, Matisse y était. Il avait été invité dîner chez Harris avec le consul britannique Sir Henry Lister. Alors, Sir Walter Harris mettait Matisse en contact avec un aristocrate d'Écosse, d'origine écossaise, le futur captain John Hay Brooks. À l'âge de 25 ans, en 1902, ce gentleman héritait un énorme domaine de 15 hectares à Tanger. Je vais montrer un petit peu. Donc, est-ce qu'il y a le... Oui. Non, ce n'est pas visible. Mais vous voyez là-bas une photo de Tanger à l'époque et entre 3 et 5, toute cette étendue fut la domaine Brooks. Alors, la mère Edith Brooks fut la fille du ministre britannique anglais John Hay Drummond Hay. Alors, ce monsieur Drummond Hay fut le doyen de la diplomatie internationale au Maroc entre 1840 et sa retraite vers 1889. Sa femme héritait ce domaine nommé le Seigneur El Hashti, ou Puy de Hashti, de son père, diplomate danois. Bien sûr, à l'origine, cette propriété fut dans les mains marocaines, le Pacha Hamed, en fait. Donc, vous voyez là le statut extraordinaire de Tanger comme entrepôt international. Les Brooks, les Hay, les Américains, Ion Perdicaris, surtout, étaient entre les plus grands propriétaires à Tanger. Alors, ce jardin Brooks, le Seigneur El Hashti, est décrit ainsi par Matisse, et je pense que quelqu'un a déjà cité cette lettre. J'ai peint dans une grande propriété à Tanger. Elle appartenait à un propriétaire assez sombre d'esprit qui a bien voulu accepter que je travaille dans son immense propriété avec des prairies à perte de vue. J'ai travaillé dans un coin qui était planté de très grands arbres épanouissant très haut le feuillage. Et ici, je vous montre le détail d'une magnifique carte de l'armée espagnole datée 1907. Ce truc ne marche pas, mais je voulais indiquer à gauche, au centre, Seigneur El Hashti, Hoy, Herta de M. Brooks, et en haut, tout au fond, à gauche également, le Finca Legation Belgique, duquel je vais parler. Donc, l'Hôtel Ville de France se trouve au milieu, à droite, juste là-bas, à côté du nombre 4. Alors, c'est ici, là-bas, dans le Villa Brooks, que Matisse a peigné ces trois paysages, qu'on a déjà exposé un peu, M. Brunel, je pense. Dès l'arrivée, fin de janvier, les Matisse furent claustrés, comme vous savez très bien déjà, par deux semaines de pluie et d'orage. Matisse, le soleil revenu, Matisse avait déjà pris les dispositions pour peindre dans le jardin de Brooks. Pendant le mois de mars, il négociait même de louer une petite réserve dans le patio Brooks pour loger ses utiles de peintre. Il décrivit ce propriétaire comme morose, épithète qu'on peut bien comprendre, étant donné que les parents de Brooks furent décédés dans un double meurtre suicide en Écosse en 1902. Horrible histoire, c'est une autre histoire, pas pour maintenant. Ce n'était pas seulement chez les Britanniques que Matisse trouvait l'aide. Madame Davin, propriétaire de son hôtel, organisait pour Matisse et ses copains d'aller à cheval
à Tétouan. Comme vous le savez, Matisse fut reçu au mois d'avril chez cette dame à droite, Madame Hedra Siksu. Alors, cette dame, à l'époque très âgée, était la veuve du faux consul belge Abraham Siksu, un juif d'ancienne famille marocaine dont le finca au grand jardin côtoyait celui de Brooks. Et c'est dans le bâtiment qu'on voit ici, dans cette maison Siksu, que Matisse voyait certes des éléments de l'artisanat et décoration marocaine, et admirerait le jardin très grand qui fut remarqué dans les livres guides de l'époque, à l'inverse de celui de Brooks, espace privé. Alors, Madame Siksu collectionnait la peinture, mais Matisse se gardait de la montrer la sienne, ne voulant être pas traité de fou, comme Matisse disait. Et voilà ses folies. Et je remarque que cet écran fait trop foncé toutes les images. OK. Ici, ce sont des magnifiques tirages numériques que je viens de retrouver chez les musées, n'est-ce pas? Définitif. Mais si vous regardez sur mon ordinateur, vous verrez. Alors, quoique présenté ici comme un triptyque, Matisse n'a jamais les exposé ainsi. Les deux tableaux en vert, gris et orange, la palme, les pervenches à droite, sont à l'évidence peints assez rapidement, comme Matisse confirme dans sa longue lettre du 14 mars à son ami, le peintre Georgette Agout. Et voilà des pages de cette lettre fascinante. Cette lettre contient 11 petites croquis à la plume de ces tableaux en marche. Et je passe tout de suite aux pervenches, the periwinkles, aujourd'hui visibles au Museum of Modern Art à New York. Matisse voulait donner à Madame Agout une idée de ces tableaux en évolution par ses croquis succincts. Pour moi, il montre les éléments majeurs de sa composition. Les petites fleurs mauves, donc juste à côté au fond, en bas à droite, pervenches, le grand tronc qui se penche vers la gauche et les parasols d'arbres flottant comme les nuages. Je veux dire, si on regarde les esquisses, dans quelques lignes, il esquissait ce qui était le plus important motif de ces tableaux pour l'expliquer à un peintre à Paris. S'il y a un principe de cette composition, c'est bien l'arabesque. Ici, une tendance de centrer et de faire rythmer les courbes formées des silhouettes de plantes. Pour moi, cela rappelle les décors végétaux de la peinture persane ou même la peinture chinoise. Aux archives Matisse, il y a des ressources surprenantes, comme un petit paquet de mauvaises photographies prises par Henri et Emily Matisse à Tanger. On sait par ces lettres que Matisse se procurait un appareil Kodak. Madame Matisse, ici, à droite, est assise au parc Brooks sur un tabouret de peintre avec la toile verticale sur un chevalet à droite d'elle. On voit bien que l'environnement s'agit d'un sous-bois avec un sentier couvert de gravier. À droite, au pied de la dame, on voit les petites étoiles aux cinq points qui seraient les pervenches du motif. Donc, tout à droite, au fond, avec l'image. Et j'ai très bien regardé avec une loupe, etc. Je suis convaincu. On constate combien il y a de l'invention plastique dans un tableau pareil.
Ce fait fut apprécié par Marcel Sembat, journaliste, député socialiste et mari de Georgette Agoute. Écrivait-il en 1913, chacune de ses toiles a toujours présenté au spectateur un ensemble sentimental, qu'il s'agisse d'une nature morte, d'un paysage. Toujours l'artiste a dépassé la nature, l'a dominée. On a extrait des caractères essentiels ses tendances, choisissant et renforçant les caractères dont les tendances s'harmonisent et rejetant et ignorant les autres. Fin de citation. Alors, La Palme, le deuxième esquisse de la série Brooks, est aussi scruté dans la lettre à Agoute. Matisse tâche de se rappeler sa composition. Je dis rappeler parce qu'il me semble que la plupart de ses lettres avaient été écrites dans les cafés en plein centre-ville de Tanger. Donc, il tâchait de se rappeler exactement le motif des tableaux qui sont là-haut, sur le plateau et le Villa Brooks. Il esquissait ce tableau trois fois en écrivant dedans, dans ma tête, était une laurier dont les feuilles sont représentées en haut de la toile. Au-dessus, au bord d'une allée, est un arbre noir ivoire avec un lierre verte, etc. Donc, pour moi, cet magnifique mais plutôt drôle tableau pourrait être décrit comme dans un style post-cubiste. Il passe entre les descriptions minutieuses des objets, comme le lierre, aux surfaces larges d'une seule couleur qui ne font guère sens spatial. Le fond, le bas du tableau. C'est évidemment très dynamique, comme une collection des lettres X. Et surtout, ce motif central, comme il dit, des feuilles comme des sabres, des taches de brosse continuent, superposées sur un fond neutre, nettoyé à la térébenthine. Matisse rappelait pour l'Américain Alfred Barr qu'il a peint, et je cite, dans un élan de création spontanée comme une flamme. Alors, le troisième est pour moi le plus beau de ces jardins et le célèbre jardin marocain à Kante de Stockholm. Je l'ai vu en affiche, j'adore ce tableau, pour moi c'est... Je l'ai vu en affiche pour la première fois à l'âge de 19 ans, dans le bureau de mon ancien prof d'esthétique à l'Université de Melbourne. Je classe cette composition comme classique dans le sens que sa structure est de forts éléments verticaux tenus en équilibre avec les forces horizontales. D'après le mot précieux de Cézanne, c'est comme du poussin fait d'après la nature. Le jeu de couleurs époustouflant est difficile de définir. Matisse, dans sa lettre, décrit ses couleurs ainsi, et je cite, « Feuilles d'arbre citron, ciel violet clair presque blanc, partie d'un gros tronc d'arbre violet foncé avec lierre, vert composé, bleu cobalt assez foncé mais lumineux, etc. » Alors, Matisse traitait ses acanthes comme un tableau. Comme monsieur avait dit, y travaillant pendant plus qu'un mois et demi, et même après son retour à Tanger à la fin de l'année. Et pour moi, d'où peut-être sa perfection compositionnelle. Les plantes vivantes du titre émerveillaient Matisse, qu'il comparait plus tard aux plantes acanthes qu'il a copiées en étudiant sur les chapiteaux corinthiens de l'École des Beaux-Arts. Alors, en concluant, je remarque que ce que les élites étrangères de Tanger et leur privilège colonial procuraient pour Matisse, ce fut un lieu, sauf calme ou beau, luxe, calme et volonté,
où ils pouvaient travailler sans gêne d'autrui. On connaît les problèmes que Matisse, comme tous les Rumi peintres, avait en persuadant les gens à poser dans la peinture de figure ou de la costume. Et les autres intervenants vont sans doute discuter ceci, notamment avec Cheydo Zohar. À la Casbah, ces rares motifs d'architecture dans la célèbre porte de la Casbah, ces motifs furent normalement des endroits bien connus, surtout la Bab el-Assa, de laquelle il puisait sa porte de la Casbah. Mais attention, ce fut déjà bien inséré dans l'iconographie touristique de la ville, je parle de l'image au centre, comme atteste cette carte postale envoyée à sa fille Marguerite une bonne année avant qu'il ne peigne le motif. Donc c'est toi. Oh, c'est beaucoup trop français, ça. Ces trois jardins marocains furent, d'après moi, moins orientalistes ou exotiques que de tels paysages urbains, mais dus absolument aux mêmes conditions présentes à ce Tanger hybride et international. À l'hôtel Ville de France en 2014, où j'étais présent, juste après le réaménagement du bâtiment, j'ai demandé à la gérante si, d'après elle, Matisse faisait la célébrité de Tanger avec ses tableaux. Remarque à laquelle elle a rétorqué, mais au contraire, monsieur, c'est Matisse qui devait tous à Tanger et au Maroc. Voilà. Merci. Merci, professeur Benjamin. Non seulement vous nous avez fait entrer dans l'univers de l'inspiration picturale grâce à la Villa Brooks, grâce aux élites qui ont permis à Matisse de travailler, mais également vous avez fait de très beaux commentaires sur les œuvres picturales de Matisse. Donc merci pour terminer, en fait, pour clôturer cette première séance qui fut très riche de ces trois communications et qui en fait se rejoignent toutes les trois, puisque de Pierre Loti à Matisse et pour en arriver à l'élite, nous avons eu des œuvres à regarder, à voir et qui nous ont enchantés grâce à vos commentaires. Merci, merci à vous trois. Alors, je dis la séance ouverte, levée, et nous allons suspendre jusqu'à 15 heures. Donc, nous reprenons la séance à 15 heures. Oui. Pardon ? Selon le programme. Maintenant, il y a une présentation, selon le programme. Si vous lisez le programme, voilà, on s'excuse. Merci beaucoup. Pardon. On se dépêche. Non, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Hein. Non, souci, aucun souci. Je veux bien le petit appareil pour défiler les diapos. Le voici. On va se mettre à côté. Je crois, hein, je ne suis pas très sûre, mais je pense. Bonjour tout le monde, non, ça ne va pas marcher.
Bonjour, ah, c'est bon, ça fonctionne ? C'est prêt ? T'appuies sur le bouton vert. On voulait vous remercier l'Académie du Maroc de nous avoir invités. On est un peu impressionnés par cette grande tribune magnifique et puis par tous les chercheurs qui nous ont précédés et tous ceux qui sont dans la salle. Nous sommes d'humbles dessinateurs de bandes dessinées, auteurs de bandes dessinées, et on a réalisé cette bande dessinée, Tanger sous la pluie, pour les éditions d'Argo. Quelle année, tu te souviens ? Oui, en fait, est-ce que vous m'entendez ? Ça fonctionne ? Non, vas-y, appuie sur le bouton. Comme ceci, ça fonctionne ? Non ? Là, c'est bon ? Où je dois éteindre, moi ? Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que là, c'est bon ? D'accord, super. Oui, en fait, donc c'est un album sur lequel nous avons travaillé en 2020-2021, qui est sorti en janvier 2022. Mais à l'instar de mon compagnon scénariste et ami Fabien Grolot, je voulais également vous remercier et remercier tout le comité organisationnel de cette manifestation. Je suis particulièrement touché car je suis franco-marocain et pour moi c'est vraiment un grand privilège d'être ici être ici parmi vous dans cette immense et majestueuse bâtisse. Voilà, ça devait être dit. Voilà. Voilà, on va comprendre un peu comment ça fonctionne, mais ça doit être bon. Donc, la bande dessinée, c'est un petit peu... on voulait aussi remercier l'Académie de faire de la place à cet art qui a beaucoup évolué depuis, une trentaine d'années. C'est plus du tout un art pour enfants, maintenant, la bande dessinée. Je ne sais pas si vous êtes en bonne connaissance de ce médium, mais c'est un moyen d'aborder des thèmes scientifiques, des thèmes historiques, des thèmes politiques, de plus en plus fréquents, et puis qui a un grand défaut, c'est qu'il ne peut pas être dans la précision. Donc, on vous le dit tout de suite, on n'est pas des chercheurs, on n'est pas du tout des gens qui vont amener des précisions sur le voyage de Matisse au Maroc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la grande force de la bande dessinée, c'est d'évoquer, de donner des impressions, justement, et de faire rêver un voyage à travers Matisse, de nous faire aussi rêver un voyage au Maroc. Donc voilà, c'est un petit peu ça le but de cette bande dessinée. Ceux qui sont intéressés pour en savoir plus après la lecture de cette bande dessinée peuvent aller lire les travaux des chercheurs et ce serait vraiment le plus grand succès, la plus grande réussite de notre travail d'amener comme ça des lecteurs à aller lire la bande dessinée. Oui, et je dois ajouter que l'idée de travailler sur Matisse, en fait, ne s'est pas imposé dès le départ. C'est-à-dire qu'avec Fabien, nous avions déjà collaboré auparavant. D'ailleurs, on pourrait montrer un petit peu. Donc voilà, on pourra vous dire un peu qui nous sommes après. Donc, en fait, avec Fabien, nous nous sommes rencontrés sur divers projets, notamment sur le projet DUM, dont vous pouvez voir la couverture d'un des ouvrages en haut à droite. Et c'est un projet qui nous a permis un petit peu de se rencontrer, de pouvoir éprouver notre manière de travailler ensemble, de pouvoir développer des automatismes. Ça nous a un peu servi de séance d'entraînement, entre guillemets, sans que ce soit aussi réducteur, parce qu'effectivement, on a quand même créé une histoire que nous avons eu beaucoup de plaisir à dessiner et à développer ensemble. Mais l'idée, c'était de trouver un thème sur lequel nous pourrions vraiment nous investir d'une autre manière, d'une manière plus personnelle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour ma part, Fabien a eu cette générosité, cette grande intelligence de me dire, au fond, qu'est-ce que tu aimerais aborder comme thème, comme sujet ? Et moi, effectivement, ça faisait très 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 longtemps que j'avais envie de dessiner le Maroc. Parce que le Maroc, c'est mon pays natal. D'abord, ce sont mes origines et j'ai toujours été
bercé par les souvenirs, les émotions, par tout ce que ça a évoqué, par cette idée du paradis perdu aussi que nos parents nous ont un petit peu transmis, même si évidemment nous, nous sommes français aussi, et donc nous avons une double culture, et nous avons appris à développer aussi notre part du pays dans lequel nous avons grandi, la France. Bon, sinon, pour ne pas trop faire de digression, ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, j'avais envie de parler à la fois du Maroc, mais aussi de cette part qui me compose, cette autre part, ma part française. Et donc, en discutant comme ça avec Fabien, nous nous sommes dit, tiens, au fond, c'est vrai que j'aime le Maroc, mais j'aime aussi, sans en connaître l'historique et les détails comme... Vous nous avez fait d'ailleurs de très très belles présentations ce matin. Nous avions envie de travailler autour du travail de Henri Matisse, qui, je trouve, justement, avec le triptyque, nous a toujours fort touché, parce que je trouve que chez Matisse, il y a cette approche très émotionnelle et très personnelle de la représentation du Maroc. Et je trouve que ça allait chercher, chez moi en tout cas, comment dire, des endroits que je ne retrouvais pas ailleurs dans la représentation du Maroc, en tout cas au niveau pictural. Et lorsque j'en ai parlé à Fabien, eh bien, il s'est emparé et il va vous expliquer comment il a procédé. Oui. Donc voilà, on avait le sujet, on avait le Maroc, on avait le goût d'Abdel pour le dessin, pour Matisse. Et puis moi, il y avait cette histoire extraordinaire quand même de se dire, c'est malheureux pour Matisse, mais qu'il pleuve tout le temps quand il est à Tanger. Moi, je trouve que c'est un point de départ, on va dire, fictionnel, assez magnifique. Donc, ce qu'on va vous présenter, notre Tanger sous la pluie, bah, c'est une fiction, hein, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à rêver. Je me souviens de représentations qui ont été montrées de cette porte tout à l'heure. Et bien ça, c'est un des premiers dessins d'Abdel sur notre Zora à nous, parce que le but... de notre histoire, c'est de raconter Matisse. Il va nous servir un petit peu de fil de rouge dans notre histoire, mais c'est aussi de raconter Zora, parce que qui était Zora, ben, je ne sais pas si les chercheurs pourront répondre à ça, ils me diront, je serais curieux. Qui était Amido, ça, je pense qu'on n'en sait pas grand-chose non plus, etc. Donc c'est là où l'imagination, nous, notre travail d'artiste, il va intervenir et on va se mettre à inventer des histoires. Donc, soyez pas choqués si les faits historiques ne sont pas forcément respectés. Alors, la première difficulté, contrairement à... Mais ça, c'est peut-être Abdel qui va en parler. Ça va être de représenter un Maroc que moi, je ne connais pas, que lui connaît, mais qui connaît des années 80, on va dire. Et puis, représenter une période historique, ça veut dire représenter les vêtements, représenter, je ne sais pas, comment est dessiné, comment est un pistolet. Comment sont les objets du quotidien, etc. Donc dans une BD, l'idée, c'est de montrer comment on fait pour montrer un Maroc qui a disparu ou que pour moi, que je ne connais pas forcément. Quoi. Est-ce que tu as un truc ? Ouais. Oui, en fait, moi, clairement, là, c'est directement en lien avec ma petite enfance au Maroc. Donc moi, je suis né dans la ville de Fès, que j'ai quitté à l'âge de 6 mois, mais où je suis revenu de manière très régulière avec mes parents, car nous avons de la famille au Maroc. Et l'idée, en fait, c'est que j'ai intégré, c'est que je suis certain que le Maroc de mon enfance était beaucoup plus proche du Maroc, comment devait être le Maroc au début du XXe siècle, que de ce qu'il est aujourd'hui, en fait. Donc, il y a des endroits, des vieux marchés, des endroits dans les vieilles villes, des parfums, des senteurs, à mon avis, qui ne devaient pas être trop différents lorsqu'on allait se plonger dans les villes anciennes, notamment la Médina de Fès. Moi, je suis né à côté, pour ceux qui connaissent Fès un petit peu, je suis né dans le quartier de Fès Jdid, Moulay Abdallah. Donc, on est en plein dedans, quoi. Je veux dire, la Casbah de Tanger, évidemment, elle est différente. Mais malgré tout, j'y retrouve quelques similitudes. Et c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré de ça, en tout cas. Je reprends la main. Voilà, ça c'est des dessins de quand on a commencé à réfléchir, à lire, à se documenter sur le Maroc, sur Tanger et puis sur l'époque en question. Ça c'est les premiers croquis, les premiers dessins qu'Abdel a commencé à faire et qui m'envoyait
en me disant bah, tiens, ce serait bien ceci, ce serait bien cela. Et en fait, je me rendais compte que j'avais affaire au petit Amido qui avait grandi et qui s'était promené dans les rues de Tanger. Alors voilà des beaux croquis d'Abdel. Voilà. Donc la première partie, c'était ça, mettre en place plein de recherches. Et puis, en BD, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, toutes les précisions. Donc on va forcément essayer de raccourcir les faits, de faire des... Ben, je ne sais pas, il va y avoir peut-être qu'une seule scène dans la Médina, etc. Donc de faire le tri, de choisir ce qu'on veut raconter, et puis de mettre en scène un petit peu. Alors, notre ami Matisse. Vous voyez ? On ne va pas expliquer les tableaux, forcément, dans la BD, mais on va les évoquer. Vous voyez, quand je vous disais qu'Abdel me faisait penser, j'imaginais Abdel se promener dans les rues de Fès, ben, il me fait penser à ce petit Amido qu'un jour Matisse a dû peindre. Voilà. Un peu plus tard, on va avoir aussi la vue de Tanger, ou une évocation, parce que dans notre BD, c'est un double récit. Il y a le récit de Matisse à Tanger, et puis on imagine que Zora est une sorte de Scheherazade et qu'elle va raconter pendant les longues séances de pause, elle va lui raconter une histoire sous forme d'un conte des mille et une nuits. Et puis ce, ben je ne vais pas raconter la BD, mais en gros ce conte va être le résumé de la vie de Zora. Donc ben évidemment, il y avait les odalisques dont certains ont parlé, certains tableaux, donc on a imaginé comme ça, faire des citations hein, tout simples des tableaux de Matisse de temps en temps. Tu veux dire un truc ? Je pense, continue. Alors voilà, alors je me régalais tout à l'heure du fameux jardin de la Villa Brooks. Et vous voyez, bah, là c'est le tableau de Matisse, évidemment. Et nous, comment on pouvait raconter ça? Alors beaucoup, de façon assez modeste, hein, bien sûr. Il en parlera de toute façon de comment Abdel a travaillé le dessin. Il va en parler après. Mais nous, l'idée, c'était d'évoquer le tableau comme un paysage, presque comme un décor. Et on voit Matisse qui cherche la pose, qui se dit, tiens, ce serait pas mal, et puis qui finit par trouver comme ça. C'est toute une séquence, hein. C'est pas uniquement une planche, c'est pas une page. C'est, on le voit chercher, on voit des chats qui se promènent. Bref, nous, on a essayé d'incarner ce moment où il va choisir son sujet et puis faire le tableau. Voilà. Et puis, ben voilà, ça, c'est un des premiers dessins qu'a fait Abdel. Ça doit être la page, je sais pas, c'est tout 8, comme ça. Et puis, c'est inspiré de vrais croquis de Matisse, hein, je crois. Hein. Il y en a des à toi aussi ? Oui, oui. Enfin, oui, j'ai un peu, je me suis approprié ça. Et oui, je pense que Matisse n'aurait pas fait les croquis de cette manière-là. Mais je vous expliquerai un petit peu le cheminement après, de la manière dont j'ai procédé pour pouvoir trouver une écriture, un langage graphique qui reste quand même dans l'esprit de Matisse, sans forcément le singer, parce que ce n'était pas le but, évidemment. Bon, là, mon propos, on ne va pas le dire forcément, c'est un peu long, mais c'est pour préciser, bien préciser, qu'on fait de la fiction et qu'on fait, on essaye en tout cas, de faire une œuvre artistique. Voilà, bon, ceux qui veulent, voilà. Comment, mais en fait... Ah, le micro, pardon. Vas-y, éteins. Non, ça marche, là, les deux ? Est-ce que, bon, oui, les bon. Deux fonctionnent ? Est-ce que tu peux revenir en arrière ? Ouais. Juste... Moi, je trouve, sans avoir à lire tout le propos... Micro ? Ah oui. Donc, sans avoir à lire tout le propos, je trouve quand même que les trois dernières phrases sont un bon résumé. Donc, voilà, donc le texte est de Fabien, et lorsqu'il dit « Alors, quelle vérité sur Matisse dans cet album ? Quel mensonge ? Simplement, nous avons essayé de raconter ce moment à part à Tanger, un peu comme Matisse... » avait pu essayer de le peindre. Voilà, il n'y a pas d'autre prétention. C'est vraiment un prétexte pour nous, pour pouvoir plonger dans cet univers et, en fait, au fond, se servir du travail et de la démarche de Matisse comme un outil de nourriture pour notre propre imaginaire de créateur. Et c'est un peu ce que nous recherchons quand nous faisons la bande dessinée également. Les enjeux ne sont pas les mêmes, évidemment, mais l'idée, c'est de trouver quelque chose qui nous touche assez pour avoir envie de le raconter. On a mis quelques scènes de la bande dessinée hein, pour vous expliquer un petit peu notre démarche. Donc les dessins d'Abdel, il en reparlera un peu mieux tout à l'heure, sont extrêmement simples, utilisent beaucoup de blanc. Oh, pardon, ça m'a fait penser à Tanger la Blanche tout à l'heure. Et on a des couleurs très simples. Alors là, vous voyez, c'est la découverte de la chambre 35 à la Villa de France.
Je peux peut-être expliquer comme ça s'est fait une bonne fois. En fait, en gros, lorsque j'ai commencé à travailler au niveau graphique pour essayer de trouver une écriture pour cet album, je n'avais pas envie de tomber dans une représentation soit trop littérale, soit trop réaliste, soit ce qui pour moi caractérise la peinture de Matisse, vous l'avez tous bien dit tout à l'heure, c'est vraiment la légèreté, la simplification, l'esprit de synthèse, quelque chose d'assez évocateur mais sans être lourd. Alors c'est ce qui m'a guidé, je ne dis pas que j'y suis tout le temps arrivé, et donc l'idée c'était aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, au contraire de Matisse, et ça c'est très important, nous avons ce que Lavandier appelle l'ironie dramatique diffuse, c'est-à-dire, pour citer un terme un peu pompeux, c'est un peu comme dans un film, lorsque nous, en tant que spectateurs, nous détenons une information que le personnage ou le protagoniste principal n'a pas, et donc ça crée une tension, un suspense, ça crée une espèce de connivence entre le scénariste, le réalisateur, ce qui se passe à l'image, nous, au détriment du personnage. Alors, ici, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que par rapport à Matisse, lorsqu'en 1912, il arrive à Tanger, lui, il ne sait pas, en 1912, ce que son art va devenir en 1950. Or, nous le savons. Donc, pour tous ceux qui connaissent Matisse, évidemment, ce qui est le plus représentatif, je pense, en tout cas, au niveau populaire, lorsqu'on pense à Matisse, on pense au papier découpé. Voilà, on pense à ces formes, ces plantes, ces végétaux, tout ça en papier découpé. Je pense que c'est ce qui vient à l'esprit du tout venant, j'ai envie de dire. Eh bien, j'ai essayé ici de travailler avec une gamme chromatique réduite, et j'ai essayé d'utiliser la couleur plus comme des papiers découpés et comme quelque chose de spatialisant. Voilà, qui va juste guider l'œil. C'est-à-dire qu'ici, si on regarde, il y a énormément de blanc, mais la manière dont j'ai agencé et structuré la page fait que je crée un chemin visuel, et donc on va suivre. Voilà, je vais amener le lecteur dans un sens de lecture. Voilà, donc, et ça, effectivement, c'est dans l'objectif de pouvoir évoquer le travail de Matisse sans avoir à le singer, quoi. Après celle-là. Moi, il y en a une que j'aimais bien quand même, c'est de revenir sur celle-là. C'est que nous, on a la chance de pouvoir ajouter comme ça des digressions, des pages qui paraissent sans intérêt, mais qui pour nous sont très émouvantes à faire, parce que je vous disais qu'Abdel, c'était Amido, et là, on le voit chez son oncle partager un repas, tout simplement, d'avoir des moments comme ça. Tanger sous la pluie, c'est aussi ça. On a essayé de raconter la vie de ces quelques Marocains qui ont croisé Henri Matisse. Oui, parce qu'en fait, ce que Fabien, ce que tu peux préciser, c'est que le personnage qui est assis, et là je trouve que Fabien a eu vraiment une idée très intéressante pour confronter la vision orientale, la vision occidentale par rapport à la peinture. Il a fait intervenir le grand peintre marocain Mohamed Ben Ali Rabatin. Donc voilà. Et en fait, on est chez lui. Et donc, bon là, évidemment, c'est les armes de la fiction. On essaie de trouver des liens, de créer des liens, mais pour servir le récit. Donc ça, je trouvais ça plutôt bien vu de la part de Fabien. Attends, je vais voir si on le revoit un peu plus loin. Oui. Tu veux en parler plus tard ou pendant? Non, non, tu peux. Voilà. Et donc là, c'est une scène où Matisse discute peinture avec le peintre marocain. Alors moi, je ne prononce pas aussi bien, je vais bien essayer de le prononcer. Bon, tu peux dire. Herbati, c'est ça? Oui. Et ils discutent de peinture. Alors les textes ne doivent pas être trop lisibles. Attends, je vais peut-être prendre... Ouais. Ça, c'est important. Je trouve que... Et là, on les a discutés. Alors, vous voyez, c'est des scènes qu'on a essayé d'être toutes simples, mais on les a fait dans un café marocain, voilà. en pensant évidemment à d'autres tableaux de Matisse. Ben, on s'est inspiré du fameux tableau, quoi, et café puis, marocain. Il y a un truc que j'aimais bien, moi, c'est que Matisse jouait du violon, et donc là, on le fait jouer un petit peu une scène dans le café. Alors, tu veux lire, c'est oui, ça oui, oui, mais ça, c'est important. C'est important. Donc ici, sur la deuxième bande, sur la dernière case, Matisse s'adresse donc au peintre marocain et lui dit « Tu es peintre ?»
Alors tu sais, toi, ce que l'on ressent au moment du premier coup de pinceau. S'ensuit un dialogue entre les deux. Et donc, il dit donc, oui, voilà. Donc, il dit donc, les coups suivants sont les enfants de ce premier tracé. Mais le premier, il y a tant de directions que l'on peut prendre avec lui, tant de possibilités. Le peintre marocain lui répond oui. Et donc, à la page suivante, il lui dit... Alors, attends. Hop, elle est passée. Hop. Voilà. Ouais, attends, j'y arrive. Voilà. Voilà, donc Matisse dit, voilà où j'en suis ici à Tanger, un peintre figé, immobile devant sa toile et n'osant pas donner ce premier coup de pinceau. Et à ce moment-là, donc sur la troisième case, le peintre Ben Al-Erbaté lui répond, je crois moi que le premier coup de pinceau est déjà sur la toile. C'est une chose simple en fait, un geste naturel, il te suffit de l'exécuter. C'est tout. Matisse se lève et lui dit « Ah, seulement si c'était si facile. » Voilà, donc nous, on est parti du postulat aussi que Matisse, lorsqu'il va à Tanger, il traverse une crise existentielle assez importante. Et donc, c'est quand même ce qui sous-tend tout notre récit, en tout cas dans la première partie, quoi, où on sent qu'il est vraiment confronté à ses propres démons et qu'il vient à Tanger un peu pour les exorciser. En tout cas, c'est ce parti pris-là que nous avons choisi. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Rapidement. Voilà, ça c'est la partie où il y a un deuxième style de dessin d'Abdel, vous voyez, qui est complètement différent, qui ressemble un peu à des ombres chinoises, qui ressemble un petit peu à des marionnettes de papier, là je ne sais pas si vous voyez. Là c'est le récit réel qui est représenté sans bord, dans des cases blanches en fait. Et puis ça c'est le récit fictionné que Zora raconterait à Matisse, où on retrouve tout un conte autour des ogres, autour de personnages mythiques. Voilà. Et puis on passe par la BD, qu'il n'y a que la BD qui sait faire ça, c'est-à-dire de passer d'un style graphique à un autre pour raconter une histoire. Voilà. Matisse et Zora, on a essayé de développer leur relation en racontant une histoire genre conte des mille et une nuits. Alors là, c'est un petit peu. Je vais revenir juste un petit peu. Je reviendrai là-dessus. Je vais être rapide. Voilà. Ça, juste cette page-là, c'est une des premières pages où il pleut. Ben, Matisse est sous la pluie, il est un peu désespéré, et on voit Zora qui guette, qui regarde la pluie également. Voilà, j'expliquerai un peu, mais je voulais montrer un peu une page de pluie, pour montrer le retour. Comment Abdel a représenté le retour du soleil. Vous voyez, là, c'est le premier jour où il fait beau. On voit Matisse qui sort de son lit. Et puis, Abdel a choisi cette façon de représenter le soleil qui perce après une longue période de pluie sur Tanger. Et voilà. Et après, il y a cette page-là. Tu veux en dire un truc ? Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à travailler, on ne sait pas. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Je ne sais pas clairement quelle technique je vais utiliser. Lorsque j'arrive sur ces pages, tout ce que je sais, c'est que je veux créer un contraste entre la pluie, le côté sombre de ce que Matisse a vécu, ce côté renfermé, et puis à un moment donné, le soleil arrive, c'est la libération. Et donc, c'est en faisant, en cherchant, un peu comme un peintre en fait, vraiment, qu'à un moment donné, en faisant des accidents, en cherchant, alors de temps en temps, comme je fais mes couleurs sur Photoshop, je vais cliquer par inadvertance sur un truc, pop, ça donne un truc super intéressant, et je dis ça je prends, je garde. Et c'est comme ça aussi que le fait de créer graphiquement reste un jeu. C'est hyper important de toujours garder du plaisir à créer. Garder du plaisir à créer, pour moi, ça passe par la surprise, ça passe par chercher l'inattendu. Il faut dire que d'ailleurs, si vous prenez mes livres, même si on reconnaît ma patte, parce que évidemment c'est moi qui l'ai fait, donc on reconnaît quand même un peu, mais j'essaie vraiment de trouver une écriture pour chaque chose que j'ai envie de raconter. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici. Et donc lorsque j'ai vu ce que ça pouvait rendre en passant le trait noir, parce qu'au départ, évidemment, tout ça s'est dessiné au trait noir, à l'encre de Chine. Lorsque j'ai vu qu'en sélectionnant le trait, en mettant en couleur, je pouvais avoir beaucoup plus d'éclat. Et évidemment, j'ai opté pour ça. Et j'ai poussé le principe pour aboutir à ça.
J'imagine peut-être l'installer, non ? Oui. Ouais. Il va s'installer pour essayer de faire un dessin sur l'iPad. Tout à l'heure aussi, ça m'a fait rire, il y avait une partie où on disait que Matisse allait faire des tours à cheval dans le paysage autour de Tanger. Et donc ça, cette page-là, c'est un peu le retour de Matisse sous le ciel bleu, on va dire, avec les motifs marocains et puis ce cheminement, voilà, qui explique bien normalement la promenade de Matisse. Bon, ça, on en a parlé. Je vais juste vous parler de la méthode dans laquelle on a travaillé avec Abdel, et après, il va se lancer dans un album complet à dessiner. Avec notre méthode, voilà. Moi, voilà ce que je fais quand je crée de la bande dessinée. J'écris pas de texte. Comme je suis auteur et dessinateur aussi, je propose un découpage directement. C'est-à-dire que le découpage, c'est quoi ? C'est de choisir quelle forme de case on va utiliser pour raconter quelle histoire. Là, ça nous semblait intéressant d'avoir des grandes cases verticales pour montrer la pluie sur Tanger. Donc, on multiplie les paysages et on multiplie la pluie qui tombe sur ces paysages jusqu'à arriver au visage de Zora, qui regarde la pluie. Donc, Abdel en fait ce premier croquis. Donc, ça, c'est au crayon. Et il suit à peu près ce que je lui ai proposé. Vous voyez, là, pour le moment, il ne fait pas... S'il est d'accord, il fait ce que je lui ai proposé. S'il n'est pas d'accord, on en discute. Et là, vous allez voir, dans un deuxième temps, le sens va changer. Il va changer de paysage, il va supprimer les bords, il va choisir d'autres paysages et on va se rapprocher de la porte où Zora est enfermée, entre guillemets. Et vous voyez, il a changé deux choses. L'orientation du sens de lecture, c'est-à-dire qu'on ne lit plus vers la gauche, mais lui, il propose de lire vers la droite. Elle ne regarde plus la pluie vers le ciel, mais elle regarde la pluie qui tombe vers le bas. Alors ça change quand même pas mal de choses. Donc ça, pour résumer, c'est mon découpage. Ça, c'est le premier crayonné. Abdel, il fait beaucoup de travail comme ça. Il fait plusieurs crayonnés avant d'arriver à la planche qui lui convient. Ça, c'est donc son ancrage, c'est-à-dire la mise au noir. Et puis, vous voyez, c'est un peu sombre peut-être. Ça, c'est sa mise en couleur. Donc, une mise en couleur très simple. Il y a quoi ? Il y a trois bleus. Ouais, c'est ça. Il y a trois bleus. Le bleu de Zora, le bleu du ciel et puis un peu le bleu des bâtiments. Voilà. Ça, c'était pour signifier que Zora était déjà à Tanger quand Matisse était là. Et ben, elle était un petit peu dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Ben, la voilà, Zora. Hein. Bon, alors, ce tableau a beaucoup été vu. Nous, voilà comment on a essayé de l'intégrer. Et on trouvait, c'est marrant, je ne sais plus qui a dit que c'était une position de prière, un peu une position comme ça qui était assez, assez connue chez les musulmans. Et donc, on a intégré la rencontre entre Matisse et Zora sur la terrasse. Voilà. Donc moi, mes croquis un peu moches, c'est pas moi qui dessine, c'est Abdel. Donc je peux me permettre, je fais ces deux petites cages où on voit Matisse et Zora, et puis le fameux tableau que je propose à Abdel. Lui va l'interpréter à sa façon. Ça, maintenant il a changé d'outil, il n'est plus au crayon, il est avec l'iPad là, qu'il va vous montrer. C'est son crayonné à l'iPad. Et puis ça, c'est son ancrage. Alors il y a assez peu de différences, hein, mais il y en a quand même. Vous voyez, Matisse est beaucoup plus incarné, on va dire. Voilà, ça c'est donc l'ancrage. Et puis, on va passer à la mise en couleur. Alors là, moi, j'aurais eu le réflexe de faire Zora en bleu, hein, comme elle était un petit peu sur le tableau. Et lui, il a décidé de proposer carrément autre chose. Tu sais pourquoi ? Oui, en fait, ça va de ma volonté déjà de pas être prisonnier dans un cadre. Ici, je trouvais que ce qui était intéressant à montrer, c'était la lumière, sur les toits. Et si j'avais rajouté un bleu, j'aurais dû à ce moment-là travailler avec une gamme colorée vachement plus fournie. Et donc, du coup, ça aurait complètement changé le principe, quoi. Voilà. Je préfère réduire que rajouter. Alors en pratique maintenant, on va voir si ça fonctionne. Est-ce que tu vas réussir à... Est-ce qu'on a encore le temps en fait ?
Il reste combien de temps? Ouais. Bon, vas-y. En fait, moi, je travaille avec cet outil qui s'appelle... Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Alors, je travaille avec cet outil. Donc, c'est une tablette graphique. Et ça me permet, évidemment, c'est très pratique de pouvoir dessiner partout, de faire de la couleur quand je veux. Et donc, ici, je vais vous montrer sur un petit dessin assez rapide parce que je pense qu'on est un peu pris par le temps. Mais voilà, comme ça, je vous montre un peu comment je travaille. Hop. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Non, c'est juste qu'il faut... Je le reconnecte. Hop, c'est bon. Non. Ah, bon, on dirait qu'il ne veut pas. C'est la première fois que ça fait ça. Pourquoi? Non. Voyons voir. Ah, peut-être. Non. Bon, je suis désolé, je crois qu'on a un problème technique. Non, c'est noir. C'est noir, donc... Oui, a priori, oui. Non, regarde, je sais pas pourquoi il ne... Ah, mince. Je comprends pas. C'est la gomme, t'es sur la gomme. Non. Là, ça vient de changer. Mais j'étais sur le... Voilà. Super. OK. Autant pour moi. Voilà. Donc ici, c'est bon. Donc évidemment, là, je dessine un peu de travers pour qu'on puisse avoir la caméra. Donc c'est pas évident, mais enfin, ça vous permet de voir le principe. C'est ça qui compte. Donc ici, je pose mon décor. Alors évidemment, lorsque j'ai plus de temps, je commence d'abord par poser quelque chose d'assez global. Et puis, à partir de ça... Évidemment, je reprends le dessin pour corriger les maladresses, pour faire que le dessin se tienne mieux. Ici, c'est du direct, sans crayon, sans quoi que ce soit. Donc, évidemment, c'est moins précis. C'est vrai que c'est un outil qui a quand même pas mal révolutionné la pratique de la BD, parce que, notamment pour la couleur, la mise en couleur, les crayonnés. Vous voyez, il va quelquefois dans des calques, on va avoir plusieurs couches de calques comme ça. Et ça va permettre de vraiment retravailler ces personnages, de travailler ces décors, et puis de choisir, même si on veut, plusieurs ambiances de couleurs, de mise en couleur. Alors, désolé, c'est pas nouveau, mais le côté portable, là, par contre, c'est assez nouveau. Moi, je suis désolé, mais j'ai un problème technique, je ne sais pas pourquoi, ça ne suit pas. Un petit peu si je sais relancer ça. Hop. Ah, voilà, là ça fonctionne. Donc très bien. Allez, hop, on est reparti. Après. Tu vas voir là, je vais. Hop. Le problème technique, c'est plus facile. Si éventuellement il y a deux, trois questions pendant qu'il fait son dessin, on peut essayer d'y répondre.
Ça a l'air facile quand c'est lui qui le fait, mais en fait, c'est assez difficile hein, d'être aussi simple en public en plus. C'est assez fascinant. Bon. Hop. Alors, moi, quelque chose que j'adore aussi au Maroc, ce sont les petits chats dans les rues. Je trouve ça à chaque fois super. C'est vrai que pour poser les ambiances directement, c'est très pratique. Donc, comme je vous explique, en fait, ici, c'est vraiment, lorsque je travaille, là, c'est vraiment un premier jet. Donc, c'est quelque chose que je pose assez rapidement pour créer un petit peu l'espace global de l'image. Et ensuite, je passe à quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus fouillé, recherché. Le chat, par exemple, ici, il a l'air un peu malade. Mais bon, voilà. C'est vraiment plus pour poser l'idée du chat qui aurait demandé normalement ensuite à être retravaillé. Hop. Voilà, c'est bientôt terminé. Hop. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on peut enlever des couleurs comme ça, hop, voilà, pour faire respirer. En fait, quand on dessine comme ça, c'est à chaque fois, on avance, on recule, on cherche. Voilà. Bon, ici, évidemment, l'image n'est pas géniale, hein, je suis désolé. C'est pas du tout ce que j'ai sur mon... Ah oui. Non, c'est pas du tout ce que j'ai sur mon iPad. Hein. Non, mais c'est bien. Hein. Ouais, voilà, je pense que j'aurais été là pour aujourd'hui. On vous remercie infiniment, M. Grelot et Bouzbiba, pour cette belle prestation. Et on a décidé, nous les organisateurs, de vous convier, justement pour essayer un peu de sortir des sentiers battus. On a l'habitude de faire des rencontres, des colloques, des conférences relativement un peu classiques, en présentant des exposés, des conférences, mais on a voulu justement introduire cette note, cette belle note créatrice à partir d'un grand créateur qui était Matisse. On vous remercie infiniment pour votre engagement et votre présence parmi nous. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. Et vous êtes conviés à un déjeuner, tout le monde est convié pour aller déjeuner.
et on reprend à 15 heures, s'il vous plaît. Merci beaucoup.